Merde, j'ai pas ma casquette. Ah, c'est comment ? Mon vieux ! Oui, ça fait 13 minutes que je suis en attente et j'ai pas pris le temps de prendre ma casquette. Voilà. Comme ça, ça va mieux. La casquette, deux petites secondes et je suis à vous. Faut peut-être baisser le son aussi parce que ça a l'air d'être fort. Voilà. Et alors, attends, par contre, je me rends compte que j'ai un tout petit problème. Bah oui. Bah oui, le Edwin, il est débile. Voilà. Parce que le Edwin, il s'est dit qu'il va gagner du temps, il va lancer GTA tout de suite. Bah oui, bah le Edwin, il est un petit peu teubé. Alors attends, deux petites secondes. Yep. Hop, voilà, tout va bien. On met the casquette comme il faut. Attends, c'est quoi que j'ai sous mon cul? Ah, c'est ma serviette. Hop. On n'a rien vu, rien entendu. Tout va bien. Hello Tenti, comment tu vas? Hop, tac. On va changer juste de petite playlist, vite fait, pour se basculer sur le NCS, le temps de... Voilà. Alors, salut Tenti, j'espère que tu vas bien, merci pour le versement pour le clash d'éloquence. Et salut Andrea, j'espère que tu vas bien également. Bienvenue, mettez-vous bien les loulous. Ouais, l'équipe, ça dit quoi, bande de saucissons aux herbes de Provence qui ont le talent d'une brindille. Je crois que je l'ai bien fait, non? Oh, oh, défi de la communauté terminé. Yeah, yeah. Ah là là, mais t'as quoi? Hein? Hein? T'as quoi, Fiona? Mie? Voilà. Brandis-toi-même, chacal. Eh, je tiens quand même à dire un truc, hein. Pendant 15 minutes, j'ai lancé le live. Je vois le score du compteur, là, il était à zéro. Déjà, moi, ça me l'affichait même pas sur mon écran, j'ai pas compris le délire. Il suffit que je tourne la scène. Je bascule en just chatting, vous êtes 6. Bah, merci beaucoup, mais quand même, tout de même. Par contre, attends, comment ça levait 48 000? Ah non, on n'est pas à 100%, on est quasiment à la fin. Attends, oui. Alors, allez, défoule-toi, mets-moi en plein la gueule. Salope. Non, mince, ça c'est bigard. Pardon, c'était gratuit. C'est complètement gratuit. Merde. Back a girl. What the fuck. Ah. Alors, j'étais là depuis le début. Mais oui, mais le truc, c'est que moi, je voyais zéro sur le score. Genre, sans déconner. Je montrerai une image, j'ai pris une capture, parce que ça m'a choqué, en fait. Je voyais 11 minutes, zéro personne. Même moi, j'étais pas là. J'ai pas compris. Je dois partir, j'ai plus de temps d'écran. Ah merde, désolé. Bah écoute, bonne soirée Tenti. En tout cas, ça fait plaisir que tu sois passé. Bah, et bah écoute, profite bien de ta soirée ou de ce qui t'en reste en tout cas. Et puis bah, à la prochaine, hein, hésite pas. C'est le prochain stream, c'est demain si tu veux savoir. Voilà. Alors, je viens d'arriver, c'est pour ça. Mais exactement, exactement Fiona, exactement. Ah putain, j'ai mal à la nuque, je suis en train de me bouger dans tous les sens et je ressemble à rien du tout en faisant ça. Alors attendez, hop, je baisse un tout petit peu, voilà, le son de Spotify, voilà. Alors, tout le monde m'attendait, merci public. Merci public, merci, merci, merci. Pourquoi je suis cringe, sa mère la gouine éleveuse d'ours qui a fait des tamis de fer et qui cherche des diamants dehors du masque. Je suis épuisé de cette nuit, j'ai dormi 4h30 à peu près cette nuit, donc j'en ai marre, je suis claqué. Voilà, ça me gonfle, ça me gonfle. Je dors pas assez. Par contre... Non, je sais pas, j'avais l'impression d'avoir un insecte dans l'oreille, c'est bizarre. Bah, bref. Bon, sinon, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez la patate. Il fait chaud, je mets un ventilateur. Yes, je suis pas schizophrène, non. Voilà. Hello, salut Flo, comment tu vas? Moi en tout cas ça va, voilà. Bon, à part du coup, je mets un peu le contexte, mais pourquoi est-ce que j'ai dormi 4h cette nuit? Bah parce que je me suis fait réveiller par une salope de crampe. Alors, le problème c'est que, comment dire, je déteste les crampes, ça fait bobo, s'il vous plaît, tuez-moi, pardon. Donc oui, non, c'était, voilà, la fatigue. Je suis bien fatigué, je t'avoue, mais je veux bien te comprendre. J'ai dormi 3h, je me suis réveillé, je me suis dit, est-ce qu'Edwin avait trouvé du diams ou pas? Ah putain, c'est le cauchemar en train de se dire, est-ce que j'ai fini de me détendre ma lessive? Ah oui, c'est vrai, c'est bon, je peux me recoucher. Je dois aller me doucher. Bah, va te doucher, te coucher, te toucher, te moucher, te... Tu peux loucher aussi, tu peux... Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Te plains pas, qu'est-ce que je t'ai dit? Oui, mais oui. Bah, t'as le droit de te toucher devant moi, il n'y a pas de problème, tu vois, c'est ma barbe qui fait cet effet-là, tu vois, c'est pour ça, c'est magnifique, c'est... Parmigiano, si, pizza et guacamole, c'est espagnol, je suis raciste. Quoi? Pardon, hein? Te tout ni coucher. Ben oui, voilà, exactement. Grrr. Mais je sais, tu m'avais dit oui, machin, machin. Eh.
je suis quand même prévoyant, je me suis racheté une bombe de froid. Et c'est de la bombe ! Voilà, voilà, Si, si, c'est efficace. Non, par contre, sans déconner, c'est efficace. Et genre vraiment, là, les deux dernières crampes que j'ai tapées, genre, j'en ai fait une samedi matin, j'en ai fait une là. Celle de samedi matin, ça, c'était dans la putain d'étagère derrière moi, donc loin du lit, donc j'en ai chié sa race. Et du coup, je l'avais rapproché du lit, et je me suis dit, nickel, c'est à côté du lit. Ce matin, j'ai eu la crampe, premier réflexe, bon, évidemment, essayer de la faire passer tout ça, et j'essaie de chercher la bombe à côté de moi. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je la trouve pas ! Je me lève du lit après avoir fait mes trois crampes, tout ça, machin, machin. Et là, qu'est-ce que je vois ? Elle était allongée par terre à côté du matelas. Fracassé une poubelle, moi. Ah. La pizza napolitaine, ma, la parmesan, les tortillas, mercés mexicains. Oh merde, ça m'a mis un froid ta blague. Ah oh. Va sur YouPorn, tu seras chauffé. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe quand on fait une blague, quand on bégaye, c'est-à-dire qu'en fait il y a un effet nul à chier, hein, littéralement, N-U-L-A-C-H-I-E-R, nul à chier, voilà, un motus, et bouche cousue. Fais chier qu'il n'y ait pas une caméra, j'aurais bien voulu voir ça, t'aurais voulu voir quoi ? Quand je souffre. Je te demande pardon ? Oh merde. Bon, on va peut-être basculer un petit peu, alors, j'aime bien parce que à chaque fois que je fais un bon comme ça, hein, vraiment le bon. Je me dis à chaque fois, il y a quelque chose. Tu calmes déjà ? Eh oh ! Eh Noé ! Et quand je fais le bon, j'ai l'impression en fait que je vais entendre le sound d'alerte des raids, le bon ! On espère que tout va bien se passer ! Voilà, chaque fois je l'ai dans la tête. C'est quand même con d'avoir son propre sound d'alerte dans la tête ! J'ai ma voix dans. Oui, je suis schizophrène, c'est vrai. On peut en parler. Bon, tout va bien. Ah, merci Vincent en tout cas pour le versement, et c'est terminé ! Et nous avons enfin le Clash Battle d'éloquence de déverrouiller, donc il va falloir qu'on trouve un moment pour l'installer, soit sur ce mois, soit début du mois prochain, on va voir pour quel est ça. Mais en tout cas, c'est checké, c'est valide, c'est la rafale, voilà. En 10 lettres pour mon frère, fils de pute. Pff, mon dieu. Hello there. Hello there, General Kenobi. Comment est-ce qu'il va le panda ? J'ai loupé personne, on est d'accord. Hein. J'ai vraiment peur des fois de louper des messages, tout ça. Alors je lis un petit peu. Creepy, ah, je sors, hein. Il n'y a pas que moi qui est pas net. Oui, exactement. Pchit, pchit, c'est bon, t'es plus flou, t'es net. T'es net comme le film de. Non, bon, je vais un peu trop loin dans. Ouais, ouais, il faut. Ouais, bon, bref. Coucou Panda, bon, allez, je. D'accord, Nono, d'accord, va te doucher. Bah, ça va, et tout le monde. Bah, écoute, ça va, et tout le monde. Voilà, je te réponds la même chose. J'arrive, je vais chercher du rhum, j'ai soif car je suis rhum antique. Du coup, tu prends une vieille bouteille de rhum, comme ça c'est du rhum antique. Un jour, je me dis qu'il va y avoir un clip qui va se produire de moi en train de faire une blague de merde, mais tellement à chier. Il y a quelqu'un qui va se dire, viens, on l'envoie à son taf. Mes patrons, ils vont voir la blague et ils vont se dire, bon, faute grave, faute grave. Ah merde, ta blague, elle va couler comme le Titanic de Nolan. Ah merde, c'est réel. Ah. Bon, il est au taquet ce soir. Bah, j'essaye, en fait. J'ai pris de la coke avant de venir. Non, j'en sais rien. Non, en vrai, je comprends même pas comment je suis en forme. J'ai dormi 4 heures cette nuit. J'ai douillé ma race toute la journée à cause de mes putains de crampes. Et là, je sors de 1h30 de piscine. Comment j'ai de l'énergie ? En plus, en ayant mangé une salade. Wesh ! T'en as pas besoin. Mais je sais pas. Je sais pas d'où ça vient. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que... Mon corps arrête de pas être logique. Je dors 10 heures, tu me dis, oh, Starfall, j'ai envie de me recoucher. Je dors 4 heures, tu me fais, oh, la fête. What? J'en ai marre de quoi. J'en ai putain de marre. Ah, flinguez-moi. Bon. Faut que je me calme un petit peu. On va charger la gourde up. Allez, vite, le sponsorship up, s'il vous plaît. Allez, 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 allez. Non, on va charger un petit peu la gourde. Alors, par contre, je vois. T'as essayé de partager un lien, peut-être, Vincent ? Si tu veux partager un lien, essaie de l'envoyer à une personne du staff qui serait connectée. Ah mince, j'ai appuyé sur un truc avec la manette sans faire exprès. Oui, un clip ? Ah bah nickel, magnifique. Mais au pire, envoie-la moi par MP, je vais la regarder vite fait. On va se basculer sur la scène pour ça. Tac. Attends, je viens de charger ma gourde. Oui, c'est complètement con d'avoir une bouteille en plastique pour recharger une gourde. Je sais ce que vous vous dites. Je le sais. C'est grâce à moi ça, je sors, c'est bon. Moi je dors 16 heures, mon corps me dit t'abuses, par contre genre 3 heures je peux danser la carioca sur le toit de mon garage, je te jure. Non mais après on va en chier, hein, de toute façon.
Hop, tu me l'as envoyé, nickel. Donc, je vais basculer en source gameplay. Je vais mettre tout de suite, pas l'overlay, mais la capture d'écran. Bah, c'est la capture d'écran, ça tombe bien. Donc, j'ai ton message. Alors, tac, le ROM. Ah, putain de merde. Vas-y, attends. Vas-y, on cale ça ici. Alors, je sais pas si vous allez avoir le son. J'ai soif car je suis ROM antique. Du coup, tu prends une vieille bouteille de rhum, comme ça c'est du rhum antique. Chercher du rhum, j'ai soif car je suis rhum. Ouais, ok, d'accord. On en est là, il n'y a pas de problème, J'ai envie de me foutre en l'air, mais il n'y a pas de problème, voilà. Avec ta tête là, C'est grâce à moi, bon, je sors, c'est bon. Oui, voilà. Oui. Non, si j'avais déjà lu, oui. Je sais plus ce que j'ai pas lu. Ah ! Alors, je viens de changer ma air-up, mais parce que je suis un enculé. Eh ben, je vais la boire tout de suite, voilà. Le cut au moment où tu soupires. Oui. Ah, mais c'est pas mal. Franchement, tu vois, je le mettrais dans les clips à la une. Ouais, je mets bien le... Enfin, je retire bien mes doigts du mot air up, comme ça, il y a bien le placement de produit qui n'existe pas et qui me rapporte 0 centime. Ça vous va? Alors, non, arrête. La manette, tu arrêtes de... T'es sponsor par qui? Jackie et Michel. Non, en vrai, je suis en train de regarder, je commence à faire un petit peu les contrats des sponsors. Je pense que je vais essayer de dégoter un NordVPN, là, dans pas longtemps. Alors, ce sera pas un gros truc, hein. Ce sera pas genre, on me demande une pub à faire pour un contrat de 10 000, mais plutôt genre, en gros, je chope un code promo, et en gros, quand vous l'utilisez, ça vous fait genre peut-être 5% de moins, 10% de moins, j'en sais rien, enfin, tu vois, un truc comme ça. Et du coup, enfin, voilà, on va négocier des trucs. Alors, je réfléchis vite fait. De toute façon, faut que je fasse la demande là-dessus. Et puis pour 2-3 autres trucs. Attends, tac. PS. Voilà, tac. Je réponds juste à 2-3 petits messages vite fait. Parce que forcément, tout le monde me harcèle. Alors, attends, tac. Hop, je suis désolé, hein, je suis très peu loquace là d'un seul coup. Hop, j'en ai juste pour une seconde. Et merci du follow, BJ, ça fait plaisir. BJ63363, est-ce que c'est pas le puits de Dôme par hasard? Mais en tout cas, merci du follow, ça fait plaisir. Prends un coca bien frais, chacal, et mets-toi bien. J'espère que tu vas bien. Tac. Hop, voilà. Tac. Tac, voilà. Hop, voilà. Tac. Non, j'ai une collègue du coup qui discutait avec moi du coup par rapport à... Et je cache des choses haut et haut. Non, une collègue qui me demande du coup par rapport à... Vu qu'en fait elle est en cours cette semaine du coup, si j'avais... Non mais on commençait là-dessus? Sans déconner? Attends, Portal Guns, en vrai... En vrai, il y a moyen... Y'a moyen, déjà, tu vois. Alors, non. Ouais, c'est ça, remonte. Oh, c'est la merde. Clone play, what? Je sais même pas. Il s'est passé quoi? Ça commence, mais n'importe comment, s'il vous plaît. J'espère que c'est le bon rhum de Binx. Je n'ai pas la référence du tout. C'est bon, j'ai mon rhum, mais j'ai pas le talent. Pourquoi? Parce que nos rhums ont du talent? Non, les Roms, ils sont à la frontière, plutôt. Pardon. Mais qui a dit ça? Mais c'est un enculé. Il est un petit peu fort, GTA. Je vais le baisser un tout petit ch'touille. Voilà. Comme ça, ça devrait être pas mal. J'ai mon nez qui me chatouille, c'est n'importe quoi. Alors. Alors, let's go. Bon, bah, du coup, par contre, c'est quoi cette voiture de merde, Michael? Bon, c'est pas grave. Ça arrive. Speed boost, oh, c'est pas mal. Ok, d'accord, je prends. Alors, par contre, ça, c'est pas un speed boost. Ça, c'est un drift boost, ça. Ah, mais c'est qu'il y a 10 fois le véhicule engine speed. Ok, d'accord. Alors, on va juste regarder un truc. Déjà, qui doit faire quoi? Déjà, Franklin... Voilà, ok. Franklin et Trevor, déjà, on va commencer avec eux. Tout va bien. One Piece, le rhum de Binx. Ah oui, non, j'ai pas du tout la référence. Hein. Ah, c'est bon, j'ai pigé la collègue. Oui, c'est la collègue de qui tu penses.
Tac, 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 j'ai la ref, j'attendais de voir qui avait la ref. Ouais, bah voilà. Ah bah oui. Bah, d'un autre côté, voilà, c'est ça, Flo, je me disais, si t'avais pas la ref de One Piece, y'a un problème, quoi. Y'a un problème. Hésite pas d'ailleurs, hein, Flo, si t'as envie de faire briller ça sur le serveur, tu peux poster hein, toutes tes impressions récentes. Tu peux les poster, on a le channel Impression 3D dans lequel tu peux poster du coup tout ce que t'as fait et du coup partager potentiellement donc, tes créations, que ce soit One Piece, DBZ, tout ça, en gros, tout ce que t'es fier, hésite pas à les mettre dedans. Je suis sûr que t'auras pas mal de monde qui sera content de les voir, surtout si on en fait la promo maintenant, comme ça les gens sauront où aller regarder, donc hésite pas. Hop, alors du coup. Tac, Frankie là, Frankie. Voilà. What are you doing, step bro? Ouais, j'avais envie de le mimer celui-là. Ouais, mais. Eh, il y a des trottoirs, madame! Est-ce. Attends. Elle était. Oh, c'est... What? Ouais. Comment ça, il y a une gravité? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce que c'est? Oh là! Oh là! Oh, qu'est-ce que c'est? Il s'est passé quoi? Ah mon dieu, qu'est-ce que tu me fais là? Quoi? Je viens de tomber? Hein? Quoi? Ah bah lui aussi il vient de tomber, voilà. Je... Insane Gravity, mais oh what the fuck. Laisse tomber, j'ai mon buste Iron Man qui a merdé à 80%, trop deg, merci, je vais poster tout ce que j'ai fait. Bah vas-y, franchement, fais-toi plaisir. Par contre, ouais, j'avoue, buste Iron Man qui a merdé à 80%, t'étais à combien de temps d'impression au total? Ah parce que ça doit foutre les boules, en effet. Jumpy véhicule... Ah oui, Jumpy véhicule... S'il vous plaît, monsieur, vous voulez bien descendre? S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Bon, ouais, je pense... D'accord. Je pense que ça va être un petit peu la merde. Non, mais tout va bien. Tout va pour le mieux dans ce meilleur des mondes. Je... Ok. Oh non. Oh là 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 là. Eh, t'as cru t'étais où, là? Eh, non, eh. Ouais, je préfère... Mais laissez-moi. Attends, j'ai ramassé... Ouais, j'ai ramassé son railgun, on va faire quoi, là? Hein? Nickel. 47 jours. Non, mais d'accord. J'ai le bruit du Jump Mario en tête. Bring! Bring! La caisse, une no-rider sans chauffeur, on se croirait dans Film Mario, je te jure. Oh non, mon dieu! Non! 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 Qu'est-ce que c'est que cette pute de baleine? Je suis obligé de prendre un camion, quoi. Je sens qu'on va pas s'en sortir déjà. Je le sens très mal. On a deux étoiles, on est à... Non. Des rouquins débarquent. Oui. Par contre, le jeu a l'air d'être fort, vous trouvez pas? Parce que c'est que dans mon casque? Je sais pas, c'est bizarre. Vous me dites hein, si jamais c'est trop... C'est trop. L'âne trop. Ah, par contre, j'ai envie d'éternuer là. Ah, c'est chiant. Ah, j'ai le ventilateur, donc forcément ça chatouille. Au total, un jour, 2h30 secondes, il devait manquer 4 heures. Ah ouais, j'avoue les boules. Ah ! Une baleine ! C'était trop rigolo. Merci. Merci beaucoup. Ok. Oh, y'a un chien ! Oh, y'a un chien ! Y'a un tremblement de terre ! Pourquoi je suis sorti du véhicule à ce moment-là ? Cassez-vous tous ! Cassez-vous tous, y'a des baleines ! Ah ! Oh là là. Il y a mon... Quoi? Pardon? Hein? Comment ça? Oh la balle perdue. Oh je te jure. Oh la balle perdue. Au fait, dites-moi, le stream il est fluide, on est d'accord, il n'y a pas trop de problème. Hein. Hop, je vais couper quand même un petit peu le ventilateur, même s'il fait un petit peu chaud. Quand je coupe le ventilateur, c'est pas grave. Resurrection Day. Ah bah d'accord, bah tous les gens qui sont morts viennent de réapparaître. Magnifique. Par contre, non mais ta Rolls, oh. Hé hey. Non mais oh, t'as cru que c'était la voiture de ta mère en fait? Non mais oh. Tout va bien quoi. Ok, donc là il faut qu'on aille. On a quelques points, on a le P juste là pour Beverly. Oui c'est logique, la lettre P. Pour Paparazzi, si c'est pour Paparazzi, ok. Non parce que ça fait 32 minutes que le live est commencé, on n'a même pas lancé une mission. Mais quoi? Mais pourquoi? Mais que de... Logique? Tout ceci n'a aucun sens! Tout ceci n'a absolument aucun sens. Est-ce que je peux essayer de... Non, même avec le ralenti de Franklin, je peux même pas me dépatouiller. C'est n'importe quoi. T'es en forme ce soir, non mais je te jure, elle est complètement folle, aussi fluide qu'un gender. Oh my god!
Non, mais pourquoi il y en a encore un autre? Mais c'est quoi ça? Mais wesh! Mais wesh! Mais... J'ai pas une voiture, j'ai une canette! Bah oui, bah bien sûr! Mais y'a un moment, les refs! Y'a un moment! Non, je suis pas un carré, je suis pas une forme, quoi, pardon? Oh, damn! Moi, je suis en... Ah, mais non, mais c'est dégueulasse! Oh, merde! J'aime bien, il y a des gens qui viennent de tomber du ciel. Attends, on va essayer de se diriger jusqu'à... Non, non, reviens, reviens, reviens. Voilà, voilà. Je sais pas ce que je viens de te voler. Voilà, c'est ça. Allemagne, Washington. On va dire que c'est bien. Je pense que c'est de la merde, honnêtement, mais voilà. On va voir. Là, faut arriver à se diriger. Hein. Oh, c'est la merde. Ah! Allez, 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 allez. On va y arriver. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Hop, 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 hop. Ah! What? Oh, alors, je croyais que c'était de la neige au début, mais non, il y a juste pas de texture. Oh putain! Franklin! T'as failli de Michael Jackson! Oh merde. Désolé, il fallait que je fasse cette blague, c'était incroyable. Maintenant, il faudra un genre Shadowless ou... Comment dire, là, le machin là qui retire les lumières, ce serait pas mal. Bon, du coup, on a le truc de Papardi qui est pas loin, ça devrait le faire, on devrait pouvoir atteindre la mission sans mourir, normalement. J'ai l'impression que ça devient de plus en plus dur plus on avance dans l'émission, hein. New Steam, ouais, ouais, à la limite, à la limite. Hop, merde. Ah! Ça va le faire, là, non? Je crois qu'on est à côté, non? Ah non, merde, je suis complètement en étage trop loin. Est-ce que je peux utiliser le pouvoir de Franklin, dans, genre, avec cette caméra? Oui, je peux, d'accord, ça n'a aucun sens, mais voilà. Vas-y, redémarre, c'est ça, nickel. Pourquoi il y a une putain de vision thermique? T'es pas une baraque au contrôle pour chauffer quoi? Bah oui, non, mais... Ah, nickel. Low pitch. Bon, ça, c'est de la merde, mais ça va. Ok, donc là, normalement, il doit être par ici, Beverly, ok. Je suis trop en forme, mais je te jure. Non, mais je sais pas, soit il y a un truc. Écoute, Andrea, je pense qu'il faut qu'on se retrouve... Qu'est-ce que tu fous dans les poubelles? Oh, je vous ai pas raconté aussi. J'ai une escort girl qui est venue me MP sur Discord. J'ai halluciné. Genre, c'est sorti de nulle part. Je n'ai pas compris. Je... Pourquoi? Genre, à quel moment, en fait? Ça me fume. Ça doit être mon charme. Voilà, c'est... je suis trop sexy, en fait. Ah, merde. La cinématique avec le low pitch est vraiment dégueulasse. Hein. Franchement, c'est incroyable. Ah oui, tu me l'as dit hier, on parlait. Ouais, ah oui, non, mais c'est vrai, c'est franchement. Non, mais du coup, tu vois, genre, j'ai eu un petit peu plus d'informations, mais genre, ça me fume, ça me fume. Mais de toute façon, il y a des trucs que je trouve louches, en fait, de toute manière. Parce que, comme de par hasard, tu vois, enfin, genre, tu sais, j'essaie de rentrer dans le jeu, si tu veux, un petit peu de l'escorte, et pas de rentrer dans l'escorte, parce que ce n'est pas la même chose. Beverly a eu peur. Mais oui, mais ta mère la lune aussi, tous les piétons, ils m'attaquent. Même Beverly, il m'a attaqué. Le mec, il a peur, mais il veut m'agresser. Il est con. You are famous. Bah oui, ils veulent tous m'attaquer, mais je suis célèbre. Bah oui. Il se fout de ma gueule, lui. Il se fout de ma gueule. Mais il s'est passé quoi? La mission a été annulée? Ça... Je... Quoi? Ça n'a aucun sens. C'est mon escort, donc... Oh là! Non mais ouais, grosso modo, en fait, j'essaie de rentrer dans son jeu et tout, et genre, je me dis, il y a un truc qui est louche quand même, c'est pas normal. Et je... Ah non, Jesus take the wheel, mais non... Est-ce qu'il me fait un doigt, littéralement? Attendez. Jésus? Oh... Mais non mais... Mais tu te fous de ma gueule, toi? Alors déjà... Meurs, Jésus! Meurs! Ah bah voilà, Fulbright, c'est ce qu'il fallait tout à l'heure avec le textureless, ça aurait été drôle. Ah! Mais ils sont cons. Mais meurs! Attends. Je sais que j'ai une mauvaise idée, mais Ah bah pas tant que ça en vrai, hein. Pas tant que ça, c'était une bonne idée.
Non, le flic. Non, non, non. Non, les flics, laissez-moi, voilà. J'ai vu personne en voc hier. Ah bah pourtant, si, si, si. On était en vocal à partir de quelle heure? Je suis rentré à quelle heure? Je suis rentré vers 23h. Ouais, c'est ça. Je suis rentré vers 23h du coup du sabre laser, donc ouais, ouais, ouais. Et Renono. Non, ouais, je suis rentré à 23h et on est resté en vocal jusqu'à, ouais, 2h, quelque chose dans le genre. Ouais, pourtant, on était plusieurs, hein. 23, ouais, dans ces eaux-là. En fait, je suis... Enfin, ouais, le cours s'est fini à 23h. Donc après, c'était le temps de rentrer, tout ça, enfin, voilà, quoi. Ah, ouais, bah, va se mêler les flics quand t'as une horde du FBI autour de toi. Putain, c'est logique, ça. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce que... Quoi? Comment ça? Ah, c'est moi qui tire des roquettes! Ah oui, d'accord, ok. Et du coup, pour en revenir, donc j'essaie de rentrer dans le jeu d'escorte, et en gros, je lui dis, mais, pour tes services, il faut bien être à proximité. Et elle me répond, non, je peux me déplacer. Et je demanderai une plus, hein. Et là, elle me dit, non, mais de toute façon, je suis vers Nantes. Frère, je t'ai pas dit où j'étais. En quoi ça va m'aider, ce que tu viens de me dire? Genre, je sens qu'il y a quelque chose qui est louche. Pour moi, c'est pas un... Genre, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui essaie de me piéger ou je sais pas quoi. Genre, c'est pas normal du tout. Mais bon, on va rester dans le jeu et puis on va essayer de tirer tout ça au clair. Hein, et non pas de tirer l'escorte au clair. C'est tellement drôle. C'est louche de fou. Mais totalement, totalement. En plus, moi, alors, je suis peut-être un peu naïf, hein. Mais pour moi, une escorte, c'était pas une nana qui te propose de coucher avec elle ou autre. Mais je suis peut-être très naïf. Parce que là, elle m'a donné la liste de ce qu'elle fait. Comment dire? Il y a à peu près autant de possibilités que de catégories porno. Voilà. Voilà. Non, mais on voit bien qu'il y a un problème, si tu veux. On voit bien. Il n'y a pas du tout un problème aussi dans mon jeu, hein. Non, non, non. On voit tout à fait ce qui se passe, voilà, les flics sont nickel, non, y'a pas de problème. Je vois des dingues, ça, ce chat, c'est... Oui, oh, mais oui, oui, non, mais oui. Y'a autant de choix qu'un tacos, oh putain, je te jure. Alors, le seul truc, c'est que si c'est une escorte, j'espère pas tomber sur le tacos avec la viande. Pardon? Comment ça, mon ref? Ah là là. Le streamer est une dingue. Oh, Dame! Et surtout, Ali. Oh, Dame! Kappa, kappa! Bon, par contre, c'est juste chiant d'avoir l'alarme du véhicule, mais bon. Là, on va peut-être semer les flics, en vrai. Quoi? D'accord. C'est bien d'ajouter des upgrades random, mais ça aurait été mieux de... ne pas me donner les flics! En vrai, ça devrait pouvoir le faire. Ou de réparer la voiture, à la limite. Putain, il y a encore une baleine ici. Elle va donner de la sauce fromagère, mais pas avec ses seins, mais son entrejambe, son chien client. Oh, oh, c'est dégueulasse! Mais non, mais le pire, c'est que vraiment, genre, dans les options dans sa liste, il y avait vraiment marqué Jacques Interne et tout, et j'étais en mode... Ah! Mon ref, comment tu proposes ça à des gens, quoi? Pour moi, ça, c'est pas une escorte, c'est une prostituée, je suis désolé! Enfin, comme je le dis, je suis peut-être naïf, hein, mais pour moi, une escorte, ça sert pas à ça. Pour moi, une escorte, c'est littéralement, dans le mot, c'est escorter. C'est genre, tu la... Comment dire? Ouais, tu la payes pour qu'elle soit présente avec toi. Pas au-delà. À la limite, des trucs au-delà, ça arrive genre en mode Pierre Palmade, quoi. Mais c'est tout. Voir, je suis vraiment trop naïf, j'en sais rien. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Genre, vous trouvez que c'est normal ou pas du tout? Genre, quelle est votre connaissance du monde des escort girls? Même si c'est un potentiel brouteur, c'est sûr. Ah, mais totalement, totalement. J'aurais putain... Non, mais ça va, Andrea. De son ancien client, moi, j'aurais dit, elle a coffré tout ce qu'elle dit depuis le début. Oui, non, mais oui, non, mais... Ah, mais c'est ouf, hein. C'est ouf. Ah, c'est... Ah. Genre, une escorte, c'est censé être un 6000 de ta compagne, mais pas de... Mais oui, non, mais on est d'accord. Genre, vraiment, à la limite, s'il y a un plus, c'est pas le premier truc que tu mets en avant, en fait. On est d'accord. C'est génial, vu que le fourgon, il est... Est-ce que je peux? Non. Ok, il a la mallette. Ok. Oh bah c'est nickel ça, putain. Mais ouais, on est d'accord que c'est censé. Ouais, c'est pas censé. Oh non, ça m'a TP alors que je voulais. Non, 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 non. Ok, bon. Là, viens par là toi. Ouais, voilà, je sais pas ce que t'as comme véhicule, mais t'es habillé quand même mes cadeaux, donc ça va. Stanier, c'est de la merde. C'est pas grave, on fait avec. Je sais pas où il faut que j'aille. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais. Mais du coup, vu que ça m'a TP, j'ai plus la mallette ou je l'ai encore? Je viens d'aller voir, c'est une forme de... D'accord, ok, c'est vraiment ok. J'aurais pas pensé.
Ah, Flying Cars. Ah, 5 étoiles. Ah bah, je vais les fuir, les 5 étoiles, là. C'est pas n'importe quelle voiture, Harry. C'est une Ford Anglia de mes parents. On va se faire défoncer la gueule. Je sens qu'il va se passer une couille, donc... Oh, invincibilité, c'est pas mal, ça. Vraiment, je me dis, tu vois, si je m'envole le plus haut possible, au moins les étoiles, elles vont fuir. Ça devrait être pas mal. Alors, n'exerce pas sur la République, je travaille une escorte consiste à accompagner une personne avec des services. Donc tu peux... D'accord, ok. Ok, ok, d'accord. Ben, on en apprend tous les jours. Hein. Je me dis que c'est quand même drôle, là. Je suis vraiment en train de partir, genre c'est une putain de fusée, le machin. Je sais pas s'il y a une limite d'altitude, mais il n'y a pas d'altimètre dans la voiture, donc je saurais pas vous dire. Hein. Non, mais là, t'as fait un menu McDo God Coca. Non, mais je vous jure, franchement, ça me fait halluciner. Genre, quand j'aurai fini la discussion, je partagerai les photos et tout sur le serveur, ce sera drôle. Break boosting. Oh, le break boosting. Je suis en train d'accélérer avec le frein en plus, là. Oh là là. Oh là là. Alors là, je dois être très haut, je pense. Là, à mon avis, ça va être un petit peu la merde, là. Ah, y a... ouais, y a un hélico qui était à côté. Attends, je vais juste essayer de me recadrer pour bien tomber vers là où je veux aller. Ah, j'ai un chimpanzé qui vient de spawn normalement. Ouais. Parce que là, du coup, je suis en train de prendre de la vélocité alors que je ne veux pas en prendre et ça m'emmerde un petit peu. Je voudrais pas aller trop loin. C'est pas mal. Là, c'est pas mal, là. Là, on est bien, là. On va peut-être laisser mêler 5 étoiles. Hein. Bon, et sinon, vous, ça va? Est-ce que je peux la faire pivoter, genre, la voiture? Ah ouais, ouais, ouais. Eh. Ah non! Mais pourquoi Ragdoll? Oh, c'est la merde! Oh, c'est la merde, les mecs! Oh, merde! Voilà, je sais pas ce qu'il faut que j'attende. Je vais m'écraser. À moins qu'il y ait un truc qui me sauve la vie, genre téléporte ou je sais pas trop quoi. On est pas sur SpaceX, là-haut. Non, mais je te jure. Update de l'escorte, c'est une pute. C'est une pute. Un escorte, c'est un mec qui t'accompagne, une escorte. C'est une pute. Alors du coup, j'ai quand même fait le machin là avec le fourgon, machin, tout ça depuis tout à l'heure, mais aucune idée de ce qu'il fallait faire de plus. Everyone is bloody. Ouais. Et vous, ça va? Non mais sans déconner. Est-ce que je peux mettre en vue FPS? Yeah. C'est incroyable. Oh putain, c'est incroyable. Pourquoi ça te fait tout ça? C'est un mode de jeu? Ouais, c'est ça, c'est un mode. C'est un mode qui s'appelle le mode KO. Toutes les 30 secondes, il y a une couille qui se produit. Alors, mon historique opéra sera jamais traumatisé. Bon, pff, tu sais, c'est qu'un historique, hein. Généralement, 180€ de l'heure pendant laquelle tout est permis ou presque. Qu'est-ce qui distingue votre métier de la PE? C'est sensiblement pareil. L'escorting permet d'avoir cependant des relations plus respectueuses et pas... Ok. 180€ de l'heure, putain de merde. Franchement, là, c'est cher. Starfou, là. Il faut avoir de la thune, ça m'énerve. Puis généralement, si c'est que une heure, genre c'est vraiment assimilé à la prostitution, mais les gens qui louent des escortes genre pour la nuit, mais merde. Vous allez faire quoi pendant 10 heures? Ça vaut un smic, mon ref. Je sais quoi faire pour acheter mon PC. Non mais d'un côté, voilà, je peux comprendre si tu veux l'intérêt du... Ah, oh, ah. On n'est plus en ragdoll. Alors en vrai, il se peut qu'on survive si on arrive un tout petit peu à se décaler, mais là je pense que c'est mort. Là, à mon avis, ça va être compliqué, là. Je suis vraiment en train d'essayer de me déplacer et tout, mais je... Ah, non. Ah, bah alors là, ça vient de me lancer tous les piétons, mais là, je pense que c'est mort. Là, on va s'écraser. En vrai, vu qu'on était en ragdoll, il y a moyen qu'on survive à la chute, et si c'est le cas, ce sera juste incroyable. Attention, verdict? Eh non, malheureusement. Voilà, tout ça pour ça. Ça fait 5 minutes, voilà. Pour qu'il y en ait qui durent 5 minutes. Oh, Vincent, quand même! C'est pas un confessionnal! Pardon, je suis désolé. Une escorte, en général, c'est entre 5 et 10 heures. Ah ouais, donc c'est-à-dire qu'en plus... Mais putain, mais... Alors non, mais là, par contre, je veux pas dire, mais... Je suis endurant, hein, mais 5 heures! À ce stade-là, ouais, non, c'est... Putain, 180 balles, mais wesh! Attends, wait. Que fais-tu là?
Ah non, pourquoi il y a du brouillard? Je suis pas d'accord. C'est tendu là quand même. Non mais ça m'a été tout. Ah! Poussez-vous plus! Respectez mon espace! Genre là je lis, elle se fait entre 3 et 7000 par mois. Mais ça m'étonne pas. Bon après le problème monsieur, c'est qu'une escorte au bout d'un moment elle doit en avoir plein le cul. Voilà. Vous pouvez me retrouver tous les dimanches au théâtre du Bataclan. La vie de côté neuf. Pour la pose de la gamme, je te jure. Ah non mais c'est incroyable quoi, c'est incroyable. Pour un spectacle explosif, mais non. Oh oh de pardon. Eh oh, eh. Non. Oh là là, eh. Eh Paul Walker là, oh. Pardon. Non mais wesh. Là il y a zéro mode, hein. La Voltique elle sort de nulle part. Incroyable. Incroyable. Ça va faire mal ça, ça va faire très mal normalement. Ouais ça passe, alors là il faut que j'arrive à ralentir tout de suite pour pouvoir passer entre les deux voitures. Oh, oh le réflexe. Wouhou. Alors en fait... D'accord, Rainbow Weapon, très bien, ok. Voilà, bonjour monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Bah, ça marche, du coup. Tu veux pas? Je ne peux rien faire. Je crois que ça a voulu déclencher la cinématique, mais j'étais peut-être trop proche d'eux. Je peux pas remonter dans le... Je peux rien faire. Mes boutons ne répondent pas. Si, mon bouton recharge a fonctionné, mais c'est tout. Je peux faire pause, ouais, ok. Non, ouais, d'accord, Je peux le pousser ou pas? En vrai, je vais essayer de le pousser sur la route, mais là, c'est pas normal ce qui se passe. Hold right. Eh bah... Ah putain, j'ai pas le choix, faut que je tienne droite. Sinon, on explose et on perd la voiture. Non, n'explose pas. Ne perds pas la voiture. S'il te plaît. Ah bah voilà, il me parle. Et si je relâche? D'accord. Ok, j'ai relâché juste durant la cinématique pour voir, ça n'a rien fait. Vas-y, tiens bon. Ma voiture, elle est où? Non mais oh, il m'a enlevé ma voiture, l'enculé. Alors, surtout les pauvres ceintures. Ah, elle a des pops comme la dignité de mon ex. Ah mon dieu. Ah mon dieu. Non mais sans déconner, genre vraiment elle a disparu de ouf. Par contre ils sont aveugles les flics ou je suis dans leur champ de vision, il se passe rien? Ah ils s'attendaient peut-être... Ah putain de merde, j'ai besoin de lunettes. La violence, non mais je te jure. Non mais vraiment moi, il m'a saoulé le piéton en fait. Voilà, c'est... Il y a un moment, faut arrêter. Et puis la violence d'Andrea, oui, bah, c'est incroyable, c'est incroyable. Bon, je me redresse quand même un petit peu devant mon ordi, parce que depuis tout à l'heure, je suis un petit peu sur l'angle. Oh là là. Donc ça, c'est ce qui se passe quand je roule à moto avec mon casque plein de buée, hein, qu'on soit d'accord. Ce qui arrive plus souvent que vous ne pensez, parce que quand on respire dans le casque et qu'il fait chaud, bah... Voilà. Faut que je pense à nettoyer ma visière, d'ailleurs, parce que du coup, elle commence à être un petit peu sale, là. À part ça, tout va bien. Ta-da-da-da-dum. Ta-da-da-da-dum. Ok, ça passe, tout passe. Voilà, tout pack. Oh là, bonjour, non, oui. Ah, oula. Oh. Eh, attends. Ah non, c'est que les flics l'ont embarqué. Mais attends, mais j'étais même pas recherché. Se foutre de ma gueule. 5 fois speed timer. Non, s'il vous plaît. Je vais pas aller la chercher. Je vais pas aller la chercher, attends, je t'aurais juste ton mot, Vincent, voilà. Est-ce que je décide de l'humilier après ce qu'il vient de me faire aujourd'hui? Oui. Bah vas-y, hein, vas-y. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il a mis une photo de moi sur Snap pour s'amuser. Ah ouais, non, là c'est un fils de pute. Non. Black Hole, ah bah il y a un trou noir, bah très bien.
Alors, non, je veux juste viser le trou noir. Il est où le trou noir? Il est là-haut? Voilà, voilà, regardez-moi. Théma, le trou noir. Incroyable. C'est ouf. Ah, je me suis pété la gueule. Putain, mon flingue, il a envie de monter. Oh non! Oh les bâtards! Oh le combo de fils de pute! Ça m'a TP dans une voiture dans le trou noir, donc ça m'a tué! Ah! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh merde. Ouais, j'ai le can't tie my shoes, ça veut dire en gros, j'attache pas mes chaussures, donc du coup, dès que je cours, je me pète la gueule. Incroyable. Tous les véhicules sont invulnérables. Ah ouais? J'aimerais bien voir ça. Mais wesh, par contre, le décalage de caméra, ça fume, là. Revenez ! Oh bah, d'accord, il a percuté des gens, lui, là-bas. Je veux juste arrêter une voiture. Quand le délai de caméra sera arrêté, sera tellement plus... Ah, mais c'est atroce ! Putain, vu le fantôme, bah oui, bah oui ! Putain, mais c'est incroyable, quand même. Ce que je me dis... Ah ouais, mais attends, c'est pas évident quand même de viser. Alors, attends. Normalement, j'aurais pu pouvoir la tuer, la personne. Non, je peux pas la tuer. Ah, je peux pas la tuer. D'accord, je suis obligé de... D'accord. Ok, mais c'est original. Oh putain, c'est des chargeurs d'une balle. Non. Ok, bah merci pour la voiture de flic. Oh! C'était quoi cette manœuvre de terroriste? Vous l'avez vu sur la gauche? Vous l'avez vu? Il y a des terroristes partout dans ce jeu. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends deux secondes, j'en profite juste pour voir un tout petit truc vite fait. Ok, oui, non, d'accord. Okay. J'avais une notif, je croyais que c'était un truc important. Non, ça va. Oh non. Oh non, ma minimap. Oh non. Ah, c'est la merde. Ah. Oh. Ah ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Il a dégommé la bagnole. Mais je te jure, il a fait bélier. C'est incroyable. Bah ouais. Mais heureusement que j'ai eu le temps de monter dedans. Hein. Heureusement. Peut-être c'est les normales maps. Pour les maps du relief. Du coup, donc là... Où est-ce que je peux aller? Bah nulle part! J'ai envie de mourir. Comment est-ce que... Comment j'ai fait aucune mission? Franklin, il est passé de 3 à 4 missions et Trevor de 3 à 6. Ah ouais, Scooter Brothers! Ouais! Scooter Brothers! Ok, voilà. Par contre, sans déconner, c'est quoi les missions de Trevor? Ah ok, il y a un truc là-bas à faire. Je crois qu'il faut que je fasse le carnage aussi ou pas? Je sais pas. Ça va partir, ça va partir. Je sais pas. Bon, il y a Cletus là-bas. C'est pas évident. Ah, mais c'est qu'il y a plein de trucs à ramasser sur la map en plus. Ouais. Ah, putain, mais oui, c'est vrai qu'on avait fait la mission avec le gros bâtiment la dernière fois. Ça va faire une heure qu'on est en jeu et on a fait toujours aucune mission parce que c'est la merde. Allez à l'entrepôt, comment ça fout? Genre vraiment là? Genre j'ai pas le droit de faire ce que je veux? Bah allez vous faire enculer! Et en gros il m'a dit oui, j'ai fait ça, car t'avais qu'à accepter de ressortir avec moi ou coucher avec moi, il a cru que ça s'abuse. Mais à quel moment en fait? Attends juste, je bascule vite fait, autorisé, voilà. Par contre c'est pas mal, ça skip un petit peu le passage, c'est cool. Oh là 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 là! Ah l'envie de vomir, c'est incroyable. Bon au moins on est déjà sur place, ça a fait gagner du temps. Non mais par contre c'est pas compliqué, ce que tu peux faire Andreas c'est aller porter plainte parce que c'est pas normal du tout en fait d'avoir un comportement pareil. Parce que là grosso modo, là grosso modo c'est comme du revenge porn en fait, donc c'est complètement interdit. Donc c'est là c'est porter plainte, hein. C'est porter plainte. Ah moi je veux bien que tu me fasses l'iso la journée, y a pas de souci, de toute façon on est là pour ça. Hein. On est là pour ça. Allez, qu'est-ce qui se passe comme... Le jeu en pensait en plus. Ah oh, ouais, c'est la scène de la torture, c'est génial.
On va pouvoir torturer un mec. Hey. Je suis cinglé. Quoi bien. Hop, voilà. Ouais, je vous envoie un MP à la limite. Parce que peut-être que sur Twitch, ça risque de faire un peu lourd, et puis bon, s'il y a encore des mots interdits et tout... Hop. Bon, en vrai, on va skip un petit peu, parce que c'est chiant les cinématiques comme ça quand il se passe rien. Ok. Bon bah ça va le faire là, ça va le faire. Là on est bien, on est bien. N'empêche, c'est l'épisode 5. Franchement, moi j'aimerais bien atteindre les 30% de progression là d'ici la fin du... D'ici la fin de la game. On était à 24% hein, pour rappel la dernière fois, donc faut vraiment progresser, mais là je pense qu'on est mal parti pour. Parce qu'il nous reste 2 heures pour faire je sais pas quoi, donc bon. On va croiser les doigts, mais c'est pas ouf. Pas évident. Je pars en game mon petit, je lurk, bah pas de soucis. Pas de soucis, Mich. Eh ben bon game, bon lurk, tout ça, tout ça. Je sais que tu économises des points pour avoir une impression 3D, je le sais, je le sais, je le sais. Ok, numéro divulgué, photo divulguée, test de haine, menace de faire de fausses déclarations pour que je gère ma... Oh là là, mais quel fils de pute. À quel moment quelqu'un se dit oui, c'est normal de faire ça. Sans déconner. Tu peux m'envoyer ces informations bancaires non. Non, sans déconner, tu peux m'envoyer juste son nom, que je check cette pourriture. T'inquiète, tout va bien. C'est car j'ai... Oui, non, mais sauf que ça, c'est du refus de consentement. Enfin, du... Comment dire, c'est... Toi, tu n'as pas consenti, en fait, à ce que cette personne voulait, tu lui as dit non. Et lui, il a forcé pour essayer d'obtenir quelque chose. Donc non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un moment où il faut arrêter les connes. Oh là, oh, c'est la merde, oh, c'est la merde. Eh ben, vous savez quoi, on... Eh, improvise, adapt, overcome. Vous savez quoi? Oh non, on est en mode super hot. Ah, c'est la merde. Et voilà, et alors là, du coup, vite. Allez, Michel, allez, allez, allez. Ok, vas-y, que je puisse pivoter au plus vite. Du coup, non, genre... Mais t'as totalement raison, il faut. Il faut. Allez, 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 allez. Vite, on va se faire canarder, sinon... Oh là là, avec ce ralenti, c'était tellement brillant. Oh, le tank. Oh, le tank. Gravity Sphere. Comment ça, Gravity Sphere? Non, c'est la merde, là. Là, c'est la merde, là. Bah, au moins, on a récupéré la voiture avec. Non, non, par contre, non, non, oh là, oh là. On a été tiré une ronde. Qu'est-ce que vous avez vu ce qui vient de se passer? Ah, il y a des cadavres qui sont brûlés aussi avec nous. Oh, mais c'est la merde. Ah, c'est la merde, quoi. Comment tu m'inimes, c'est fini. Mais totalement. Totalement. Wow, mais c'est totalement la merde qui m'arrive, là. Par contre, le Gravity Sphere, là. Voilà, c'est ce que je voulais faire, c'était au moins esquiver un minimum. C'est la grosse chiasse là. Alors je me dis, si jamais je saute de l'hélicoptère et que je largue Dave, on est d'accord que c'est la merde. Ah ok, nickel, là vas-y, on va pouvoir semer les flics, c'est pas mal, c'est pas mal. Parce qu'on a quand même un moteur qui fume, donc ça va être vraiment la merde là, ça va être vraiment la merde. Ah mais ça race là, putain, mais ils sont pas... Attends. Mais c'est pas évident, j'ai 5 étoiles aussi, il me colle au train. Je sais pas du tout comment faire là, avec le moteur qui est en train de mourir. Putain, non, on va complètement se fracasser. What? Mais comment ça? Mais non! C'est une vaste blague. Salut Gabi, comment ça va? C'est une vaste blague, le everyone exit... Bah c'est mort, hein, c'est mort. Sans déconner! Oh putain de merde! Ah! J'ai envie de crever. Magnifique. Attends, juste. J'envoie juste un tout petit message à quelqu'un.
Ouais, ça c'est drôle ça. Tac, voilà, j'envoie ça. Voilà, hop, ah, pardon. Ah, fatigué, toi, bah écoute, alors, je suis un peu shooté, mais en même temps, voilà. What's happening? Oh non, il doit y avoir un truc genre break boosting ou je sais pas quoi. C'est LS noir ça. Il n'y a plus le. Ok, il n'y a pas le break boost. Ok, tout va bien. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Pas évident, pas évident, pas évident. Ok, ça va. Nickel, là on est bon. T'as dû m'entendre reflet hier. Mais non, pas du tout. Je suis arrivé, il n'y avait pas de bruit, donc je t'ai calé. Par contre, le fait de lui avoir dit je suis en couple alors que c'est faux, il dit plus rien. Ah bah voilà. Tu sais quoi, Andrea, si t'as besoin, je t'autorise à faire comme si t'étais en couple avec moi pour pouvoir trouver un alibi, d'accord? Y a pas de problème. Si ça peut te sauver d'affaires, hésite pas. Tac. Et toi? Mais tu peux aussi être en couple avec moi, Gabi, y a pas de problème si tu veux. De toute façon, tout parent de famille le sait, hein. Quand on a quelqu'un de plus, notre cœur ne se divise pas, il s'élargit. Voilà. Toi aussi, tu veux une copine? Oui, mais t'es chiant. Attends, tac. Alors, vu que j'ai pas de HUD, je sais pas du tout où il faut aller. Donc, on va croiser les doigts. Je ne peux pas faire pause, du coup, vu qu'il n'y a pas de HUD. Nickel, c'est magnifique. Super, il demande avec qui? Bon, bah, vas-y, let's go. Bon bah du coup, Andrea, je t'appelle Bébou, d'accord? Perfecto, perfecto. C'est à Kwakubaka. Oh, Kwakubé! Oui, Kwakubae plutôt, même. Bon par contre, c'est par où? C'est par où? Je sais pas où il faut aller! Je peux pas faire pause! Oh, c'était drôle, ça. Non, mais on n'est pas sur Snap, putain. Tu peux me gnogner? Je peux te gnogner? Oh, putain de merde. J'ai pris un pitch très haut level, là. Dans ton cul, Fen. Mais... par contre, vraiment, premier degré, là, je... Parce que, en vrai, quand il y aura plus le no HUD, j'aurai pas de nouveau la carte, parce que... Non, mais il y a le mode console qui est activé pour me faire la ramer autant, là, ou ça marche comment? C'est la merde, là. C'est la merde. Ah, attendez. C'est d'avoir un fake crash, en vrai. Même pas. Attendez, il y a un problème. Non, attends, j'affiche si bien mon logiciel de carte graphique qui est démarré. Parce que là, je commence à me poser la question, mais il me semble que non, j'ai pas de problème. Non, 54 degrés, il y a pas de problème. Mais par contre, c'est vraiment bizarre, en fait, que... Ouais, mais comment ça se fait que ça lag autant? C'est ouf. C'est vraiment bizarre. Putain, ça refait comme sur Minecraft par moment avoir le micro saccadé. Ouais, non, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème. Pourtant, je suis vraiment au plus bas, un niveau de. Mais non, mais je sais pas. Pourtant, genre, je suis à 55 degrés, donc c'est que dalle. Je me demande si c'est pas le mode portrait en fait qui fait ça. Non, mais ouais, bah oui, Scooter Brothers, bah oui. En vrai, si je bouge pas, ça devrait pas poser de problème. Putain, mais sans déconner, quoi. Mais sans déconner. Mais sans déconner. Oh, merde. Non, par contre, ouais, j'envisagerais d'ici peut-être un an ou deux de changer ma carte graphique. Est-ce que Dave... D'accord, Dave était sorti. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a des effets qui n'apparaissent pas, c'est ouf. Ça bug toujours, merde. Moi, je me vois... Sur le retour, je me vois pas forcément bugger, donc je sais pas du tout. On va attendre que le portrait... Comment ça? Voilà, eh. Comment ça? Comment ça le portrait mode il a été rechargé? C'est le son qui grésille. Mais je sais bien que c'est le son qui grésille, mais c'est parce que ça charge trop de trucs. C'est le micro qui s'accade, ok. Ah, et là ça, ouais, là ça a dû aller un petit peu mieux. Je pense qu'il y avait peut-être trop d'entité aussi. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout où aller. Non mais ouais, il y a un problème. Il y a un gros problème de lag. En vrai. Mais je peux pas sortir le téléphone. Ah, par contre, le no HUD, il est plus là. Ok.
Donc faut que j'aille grosso modo à côté du golf. Ok. Ce sera déjà ça. Ah par contre, ok, même en mode portrait j'ai quand même le téléphone. Ok. Mais je peux pas faire de sauvegarde. Bah par contre ouais c'est... Oh là là, mais c'est casse-couille. On a eu du jeune... Bah oui parce que... Il manquait que ça de toute manière. Et j'ai vraiment l'impression que c'est le mode portrait hein, qui fout la merde. Quand on fait pause c'était nickel. Eh bah écoute, on va rester sur pause le temps de... Bah mais non, si je me reste sur pause, le timer il descend pas. Culé. Salut. Hop, tu meurs, voilà, tout va bien, tout va bien. Voilà, nickel. Chet. Connard ! Allez, portrait mode, il est bientôt fini, normalement ça devrait aller mieux. Ok, là ça devrait... Non, ça va pas mieux. Oula, oh, j'ai l'impression que ça va pas aller mieux, sinon. Oh non, ouais, non, je crois que le jeu, il rame encore. Je sais pas... Dave qui dit, please don't crash again. Oui, oui, je te comprends. Il me demande trop de trucs, depuis quand on est en couple, comment je t'ai connu et tout, mais putain, les flics sont FDP. Ça fait combien de temps que t'es plus avec? Dis-moi tout, t'inquiète, on va mytho, on va inventer le mytho. Ah, ça rame, ça rase. Non! Oh, le Sideways Gravity, tu te fous de ma gueule! C'est 7 mois et demi que vous êtes plus ensemble et il te fout encore les boules? Non, mais putain de merde, mais c'est quoi ce connard? Tu lui dis que ça fait... En fait, tu lui dis que ça fait longtemps qu'on s'est rencontrés, ça c'est la vérité, ça fait depuis très longtemps. Il n'y a pas de problème. Mais que, du coup, bah, on s'est rapprochés par Discord. Parce que t'avais besoin de quelqu'un à qui parler lors de ta transition, après ta transition, tout ça, enfin voilà. Et du coup, t'as cherché... voilà. 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 Tu vois. Comment tu m'as connu? En vrai, tu lui sors la vérité, hein, tu sais, j'ai envie de te dire. Pour que les choses passent dans la vie. Par contre, moi, c'est vraiment la merde, le... Je sais pas pourquoi ça lag comme ça. On va vraiment essayer de boucler cette mission et puis... de redémarrer le jeu, je pense, parce que là... Ah... Comment ça se fait que ça lag autant, sérieusement? Y a un problème. Attendez, je suis vraiment gestionnaire de tâches. Si je prends juste GTA, paramètres graphiques, je suis bien au plus bas dans la résolution. Gestionnaire. Si je l'appelle chose, ça règle le problème, non? Écoute. Ouais, je vois pas de problème spécifique, quoi. Regarde un petit peu pour que... Là, je suis un peu sceptique. Hein. En vrai, Overwolf, ça, je peux le fermer. Enfin, ça contient Forge, donc peut-être pas. Ouais, non, ouais. Si, allez. De toute façon, en vrai, ça prend que dalle. Là, ce qu'il prend, c'est Opéra. Pourquoi ça prend autant Opéra? Il y a un truc qui pompe Mako. En vrai, je peux essayer de me brider Opéra. Je vais activer mon limiteur de ressources. Network limiteur, voilà. RAM limiteur, voilà. CPU limiteur, voilà. Limite du processeur, on va le mettre à 25. Et limite de mémoire, ouais, mais attends, 25, je suis à combien? Je suis à 10%, donc c'est débile. Et limite de mémoire, on va mettre, je sais pas, 7,5 Go. Voilà. Je joue le jeu au moins. Mais du coup, je dis que ça fait 2 ans et demi que je te connais, ce qui est vrai, qu'on se parle sur Discord, oui. Coup dur pour Gabi, je te jure. Gabi, il se fait recal même quand il s'agit pas d'avoir des vraies relations, quoi. Ok. Alors, est-ce que ça a changé quelque chose, le fait que je réduise un peu la performance de Opera GX? Est-ce que, genre, vous avez l'impression que c'est plus fluide ou pas? Oh, c'est bizarre, parce que vraiment, genre... Pour l'instant, oui, ok. Bah écoute, on va croiser les doigts, hein, écoute, en attendant. What the fuck, mais c'est pas vraiment des trucs bizarres. Oh putain de merde! Oh là là, la frappe aérienne! Pas du tout, j'ai pas de sentiment. Arrête, tu t'es déjà attaché trop vite, Gabi. Je le sais, je te connais. Ma petite pute. Quoi? Oh là là, oh là là. Ok, il m'a dit depuis quand? Je pense 3-4 mois, c'est bien.
Ouais, 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 franchement, vas-y. C'est quoi, tu vas même lui donner une date. Là, on est le 14 septembre. T'as qu'à lui dire, genre, depuis le 4 mois de mai. Tu sais quoi, t'as qu'à lui dire depuis, genre, le 26 mai. Voilà. Faut que ce soit une date marquée, comme ça, au moins, t'es sûr. 26 mai, le 26-05. Ah, non mais la frappe aérienne avec en plus le... Oh là là, oh là là. Avec la limite... Non mais non, mais non, mais non. Bah non, bah non. Mais attends, mais faut pas que je m'approche de la cible, sinon il va avoir peur. Faut que j'attende. Ah c'est la merde. Ah c'est la merde. Oh là là. Gosh. 26-05 et qu'on a prévu de se voir bientôt, c'est good ou juste la date? Ouais, 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 que ouais, que écoute, tu dis que j'ai... Oh, oh putain, oh les véhicules qui rebondissent! Non, 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 non! Ah! Écoute, tu lui dis que je sais pas, genre, que... Là, j'ai un nouveau contrat, donc en gros, que j'attends mes vacances de la Toussaint. Voilà, on va dire ça. Je l'ai dit, redit, fini les relations MDR. Tu vas être le premier à craquer, Gabi, je parie. Hop, bounty vehicle. Là, je crois qu'on va mourir. Même pas. Oh là là, 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 c'est la merde. Jamais. J'espère que tu as des couilles de fer, Gabi. Ce que tu peux faire, c'est suivre mes posts Insta de motivation. What? Il y avait un hélicoptère, et ben c'est juste à côté, hein. Wouah, mais en vrai... Proche, hein. Proche, proche. Trop marre, mais tu m'étonnes. T'as en plus le trafic magnet. Attends, ça veut dire que là, l'hélicoptère, il allait me... Oh non, mais non. Mais non. J'écris mon chéri à son nouveau contrat pour lui et... Et il a ses vacances à la Toussaint, c'est ça. Tu lui dis qu'en gros, voilà, que je suis en contrat, en gros, depuis... Depuis un peu avant qu'on soit... Enfin, qu'on soit mis ensemble. Et que, en gros, bah, il faut que j'accumule des vacances pour pouvoir se voir. Et que, voilà. Voilà. Comme ça, c'est cohérent. Hop, voilà. Ok, donc là, ça, c'est bon. Ok, trafic magnétique, il est toujours valide. Donc là, je crois qu'on va avoir un hélicoptère qui va essayer de se poser sur nous. Putain, mais les random upgrades sur des véhicules qui ressemblent plus à rien, mais wesh! Est-ce qu'on a vraiment un hélicoptère au-dessus de nous ou pas? Il est vraiment genre trafic magnète quoi. What? Oh là là, oh, par contre les bagnoles, comment est-ce qu'elles ont été custom du coup? Oh mama, oh là là, oh là là, en vrai c'est classe. Non, il y a des abeilles, je me fais piquer. Mais c'est la merde, c'est la merde. Je lui mets que ton contrat a commencé depuis mars 2023 et que là, il a accumulé des jours de vacances pour la Toussaint. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, parfait, parfait. Pourquoi motiver? Parce que la motivation, c'est bien. Oh non, les véhicules n'ont pas de gravité! Non! Je vais devenir un screensaver DVD! Oh, putain, oh mon dieu, mais c'est la merde, mais c'est la merde! Qu'est-ce qu'il faut pas faire, je te jure. Comment ta voiture roule? Ma voiture, elle roule pas, là, actuellement, en plus. Hein? Comment est-ce qu'elle roule? Personne ne le sait, elle ne roule pas, elle vole. Gravity Field, non, 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 non! Gravity Field, je suis pas d'accord! Putain, en plus, je vois tout ce qui se passe du coup dans la. Parce que là, c'est-à-dire que là, du coup, dès que je vais tomber. C'est la merde. Non, faut pas. Oh putain de merde. Bah ouais, mais du coup, j'étais trop proche. Ah! Car je dépose plein de demandes pour m'en faire vivre en enfer. Pourquoi justifier pour un ex? C'est un avion? Non, c'est Phoenix, exactement. Pourquoi se justifier pour un ex? C'est pas une question de se justifier, c'est une question de se protéger. En gros, si Andrea dit qu'elle est seule, le problème, c'est qu'il pourra lui mettre la pression. Alors que si elle dit qu'elle a retrouvé quelqu'un et que c'est du sérieux et tout, ben le mec, il risque de se mettre en colère, certes, mais au moins, ça assure une certaine protection dans une certaine mesure, tu vois. Ok,
Aya. Ah, qu'est-ce que... Goddamn Notorotate. Oh putain de merde, c'est quoi cet effet? Je l'avais jamais eu. L'original de jouer comme ça, hein. Mais c'est original, ça donne une nouvelle perspective en fait. Tout va bien. Ah bah voilà. Oh la voiture Rainbow. Oh les véhicules Rainbow. Oh c'est classe. Ça rappelle le jeu auquel on va jouer samedi. Alors, La pauvre quand même. Bah, oui. Et généralement, quand je dis que je suis seul, il agit comme si j'étais une proie. Mais c'est ça le problème. Les personnes commencent comme ça, je comprendrai jamais. Je suis pas le seul à tourner ma tête, je te jure. La drogue. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il est génial ce jeu. C'est ouf. Oh là là, Sideways Gravity, non! Vite, faut arriver à se bloquer sur un truc. Faut arriver à se bloquer sur un truc. Parce que là, on est proche de la flotte, c'est la merde, là. Ah, c'est la merde. Faut que je saute. What? Ah, bah oui, bah du coup, bah oui, la voiture, c'est... Bah oui, ah, je suis con. Eh, on va y arriver, hein. On va y arriver à la faire, cette mission. Ok, bon alors. Ah bah du coup, il n'y a plus le sideways. Ok, très bien. No ragdoll, ça c'est bien, du coup, très bien. Ça va, ça le fait. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. Et il y a des... Oh là là, oh c'est la merde. Oh, les bagnoles qu'il y a. Ok, tout va bien. Bah du coup, on va passer par là, hein. Ah, skip si tu suis la route, théoriquement, t'as... Oh non, 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 oh non. Oh, j'ai envie de canner. Enfin, du coup, non, je peux pas canner, en fait. Ok. Et là, on est pas mal, là, du coup. Ok. Il m'a dit ok, il m'a dit tu vas me faire quoi avec lui, mais pars comme s'il essaie de me reséduire. Bah là tu lui réponds ce que tu veux. Mais non mais ils me shoot tous, mais c'est la mort. Je vais me faire défonce. Mais comment tu veux... Ouah, mais comment tu veux t'en sortir? C'est incroyable. Là 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 là. Ok, alors on va essayer de... Évidemment, je prends le seul endroit où il y a un putain de mur en béton. Ah, je vais canner. Unfriendly neighborhood. Oh, mais les bâtards. Oh, les bâtards. Okay, voilà. On peut s'attendre à tout avec Fen, je te jure. Ah, mais moi, de toute façon, moi, je suis quelqu'un de très ouvert. Hein. Crumbling véhicule. Ah, les véhicules qui s'écrasent. Putain, y a Mag qui fait son ulti. Putain, j'ai envie de jouer à Warframe, c'est ouf. Mais bon, du coup, on a décalé. Oh, ça me fait penser qu'il faut que j'installe le DLC du coup de Pokémon. Parce qu'en fait, j'ai déconné. Moi, pour moi, il sortait demain, le DLC de Pokémon. Il est sorti hier. Donc, du coup, il y a déjà des gens qui sont dessus. Donc, du coup, je suis un peu à la bourre. Mais bon. On maintient ça pour demain, de toute façon. Wouah. L'écrasement de Mag à son paroxysme. Puis prochaine vacances. Ah, bah totalement. Ah non, mais il m'a dit, ça va, il est gentil avec toi. J'ai répondu, tu étais comme une crème brûlée, doux et croquant avec moi, mais agressif quand il essayait de me protéger. Putain, je vais te le voler, je te jure. Une crème brûlée, magnifique. Ah, mais puis c'est ton domaine, en plus, hein. C'est ton domaine. Ah franchement ouais, c'est bien trouvé putain, c'est bien trouvé. Ah tac. Let's go. Oh
Je serais toi, je bloquerais de partout en marquant un dernier message en disant que tu as assez de preuves pour porter plainte contre lui avec tout ce qu'il a fait. Mais totalement, totalement. C'est tout à fait très bien dit. Très bien résumé, Flo. Très, très bien dit. Oh, plus 25 000. Nice. Ok. Ok, ok. Oh, le checkpoint. Oh, le checkpoint. La crème anglaise. La crème anglaise. Oh, merde. Tu me voulais quoi, mon cœur, mon corps ou ma phrase? Oh, damn. Oui. Est-ce qu'il vient de péter sa fenêtre? Ok, bon. Clone player. Alors, on doit avoir un clone de Michael qui doit traîner dans le coin. On va voir ça. J'ai une vague idée. Hein. Même qu'une Photoshop avec un micro-pénis et leur afficher. Incroyable. Prenez une arme sur le chariot. Bon, vous savez quoi? C'est vous qui allez choisir l'arme, d'accord? Ah putain, je vois par contre le retard. Alors, c'est peut-être le retard que de mon côté. Mais on va choisir l'arme. Tac. Quelle arme? Alors, on a quoi? On a le bidon, la clé, la pince, la batterie. Donc, bidon, clé, pince, batterie. Allez, vous votez tout de suite. Allez, dites-en. Mais c'est, on choisit l'arme, pas la zone. Allez-y, votez. Si vous n'avez pas le vote, rechargez la page, hein, si jamais ça n'apparaît pas. Voilà. Alors, je... Comment ça, Mowermate? Il y a des mecs en tondeuse. Il y a des mecs en tondeuse. Il y a des mecs en tondeuse. Oh, merde. Qu'est-ce que vous avez voté? Oh là là, oh là là, ça veut commencer fort avec la batterie, là. Là, c'est sur la batterie, là. Bon, c'est bon, il m'a souhaité bonne soirée, il s'est barré. Du coup, je change pas ma version, je garde la libye. Ouais, vas-y, y a pas de soucis. Y a pas de soucis. Voilà, clone player. Oh mon dieu, il y a deux Trevor. Incroyable. Alors par contre, je vois que dalle. Je torture quoi? Une chaise vide? Mais bien sûr. Eh, hey, clac, 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 clac. Ah, bah c'est là. D'accord. Ah, nice. Allez, les tétons! Allez! Eh, hey, tu vas parler, sale pute de chaise! Ah, mon dieu. J'arrive sur de la torture. Exactement, Alex. Tout ce que t'aimes. Pourquoi il y a un putain de tank? J'en peux plus, putain de merde. David Goudenov. Tu vas parler, c'est le plus de chaise, je vais t'enculer ensuite. Quoi? Tu vas enculer la chaise? Tu sais que d'habitude, c'est la chaise qui t'encule, en fait. Fun fact, le saviez-vous? Vous pouvez vous asseoir à une personne sur un tabouret ou à quatre, tout dépendant du sens dans lequel vous mettez le tabouret. Avec le tank. Ah oui, le tank pour t'enculer. Le timing avec le téléphone volant est parfait. C'est incroyable. C'est incroyable. Hop. Allez, là on tape le speed. Voilà, speed, speed, speed. Non, non, pas le DVD screen save. Mais ah, t'as putain, ça rase de nez. Ok, ok, on essaye de tenir, on essaye de... Un peu comme ma bite. Alors ouais, alors en fait, un peu comme ta bite, c'est pas que je veux pas, mais là... Là, on essaye de tenir comme on peut, là. Ah, ah putain de race de cette... S'il vous plaît. Vous restez là. Oula. Non, non, pas la gravité. Pourquoi? Pourquoi maintenant? J'ai tellement envie de canner. Caillou Perico, on arrive! Oh putain.
Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. Incroyable. A few years ago, a letter came to the federal prison system addressed to Brad. Wasn't signed. Gave a peep. Bah là, de toute façon, c'est mort. Hein. Davey, il est sorti, donc. Franchement, là, il faut un miracle, là. Là, il faut un miracle. Genre, je sais pas. C'est un nouveau transport de braquage. Ouais, non, mais c'est incroyable. C'est... On avait marre de voler le vélo, mais alors on s'est dit qu'une voiture, c'était moins cher. Oh merde. Ah bah, on va attendre, hein. On va attendre quoi? Je sais pas, un requin peut-être. Verrouille la caméra. Bah oui, mais mets-moi un truc qui me sert encore plus à rien, y a pas de problème. On va attendre. On va attendre un requin. Incroyable. Voilà, verrouille la caméra. Voilà. Waouh, incroyable. Oh bah dis donc, hey Dave, t'as vu? On est dans l'eau! Et si je plonge? Eh bah je sais pas. Je peux mettre un couteau? Oh, je peux le tabasser là. Oh mon ref. Oh, je te fous des coups de couteau. Friendly Neighborhood. Mais non. Pourquoi c'est dans ces moments-là? Sans déconner. Ça, en plus, il essaie de me parler. Ah, mais tuez-le. Hey, why we stop? Je sais pas. Peut-être parce que la voiture, elle a coulé. Trouve pas ça normal, Michel? Mais c'est quoi, vous, blibli? Vous êtes bizarres, les mecs, hein. Ils sont cheux. Alors, oui, c'est... Alors, oui. Oui, alors bon. Tu peux pas juste couler et te noyer. C'est vrai. Ça commence très bien. Voilà. Oh, du poisson. Ah, oh, il y a du thon, là. Oh là là. Oh, il y a de la dorade. Ah, oh, je reconnais, là. Ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas un seul requin ou un truc dans le genre qui pourrait venir me bouffer. Force field. Il y avait un force field. D'accord, il y avait un champ de force. Oh, une bande de mes ex. Oh merde, quel séducteur. Oh damn. Non. Oh ah. Le poisson. Blablabla. Bloub bloub. Oh my gosh. Oh my gosh. Ok. Oh ça. Oh, oh, oh putain de merde. Oh là là. Ah, le force field, il est incroyable quand même. Hop. Oh, le chat, il a failli se faire écraser. Je sais pas si vous l'avez vu. Putain, mais c'est ce qui m'est arrivé en plus hier soir quand je rentrais du sabre laser. Genre, il y a un chat qui a traversé, genre il... j'aurais pas freiné, il se serait fait écraser par ma moto. Optionnellement, je serais tombé avec. Ah. J'espère que c'était pas le chien de John Wick. Voilà, du coup, ouais, non, en gros, genre, il a déboulé, genre, moi, j'étais sur ma voie normale, et le chat, il s'est mis à... Ah, merde. Le chat, il s'est mis, en fait, à... Genre, ça, c'est ma voie. Le chat, il s'est mis à courir, genre, en parallèle de moi, et à essayer de me dépasser. Mais non, mais du coup, je l'ai pas écrasé, le chat. Oh, le left... Ah, putain de merde. Ah, mais c'est en anglais, mettez-le en français, je me rappelle plus, j'ai pas le temps de réfléchir. Don't hold left. Ok. Ah mais je fais comment du coup? Non mais sans déconner le ragdoll. Oh là là. Oh là là. Mais remonte enculé. Incroyable mission. Incroyable. Par contre là j'avoue que je commence à ressentir la fatigue de la piscine là. Là je... Waouh. Ah ça commence à taper ouais. Faut dire que j'ai pas beaucoup de repos, hein. Moi, franchement, depuis le début de la semaine, j'enchaîne tout, hein, tous les sports, là, j'enchaîne tout. Yes, parfait. On va être à l'abri du soleil, nickel. Hop. Gros mur à côté de la voiture, là, je te jure. Hop. Ça, il m'a pas demandé de photo l'autre. Bah, de toute façon, si jamais t'as besoin de photos, tu me le dis, hein. Après, des photos de nous deux, bah, ça sera pas possible parce qu'on s'est pas encore vus. Ouais,
Ah, le fake téléporte là ? Piscine, oui. Je suis à la piscine ce soir. À la piscine sans moi, trahison. Ben, t'avais qu'à être là, Gabi. Ah putain, oh le Virilo Gravity, mais non, fallait que je m'arrête, putain. Les émotions qui font des hauts et des bas, mais je te jure. Là, tu peux clipper les émotions. Hein. Si c'est pas déjà fait, parce que je te connais du coup maintenant. Hein. Après, quand ça fait des hauts, c'est bien, parce qu'au moins tu sens meilleur. C'est quand vous voulez, les mecs, y a pas de problème. Parfait. C'est farpé. Non, mais c'est... Ma gueule, la voiture. Oui, certes, mais il m'a dit, c'est quoi comme relation? J'ai dit, pour l'instant, à distance, mais viens bientôt chez moi, du coup, éviter les questions. Ouais, exactement, exactement. Par contre, du coup, ouais, j'espère qu'il va pas revenir à la charge au mois de novembre ou un truc comme ça. Tu vas me te faire monter en l'air. Mais je t'emmerde, Gabi. Merci, donnez-moi cette voiture, s'il vous plaît. Je suis de la police. Ce n'est pas vrai, c'est une blague. Retournez voir Dave. Dave, j'ai chopé un bl... Oh, le pauvre chat, il a rien demandé. Dave, j'ai capturé un black. On se met les flics. Dave, faut qu'on sème les flics. T'es pas un flic, toi? Tu voles tout le temps. Ouais, c'est ma barbe. Pardon? Comment ça, mon ref? Bah non, en fait. Replay sur un véhicule. Comment ça? Comment ça? Comment ça, tu m'as foutu un vélo invisible? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, c'est original. Voilà. Comment ça? Quoi? Hein, comment ça? Ah! Mais oui, mais de ta race! Je pense que si demain, les gendarmes, demain, ils font un truc, il n'y aura pas d'autre. Oui, tu me diras. Tu me diras. Bon, on va y arriver, là! Oh, la caméra avec le délai, ça va être... Ah là là! Il y a le What's Happening. Mais non, le What's Happening, il est atroce parce qu'on sait pas ce qui se passe, mais ça se passe quand même. Donc à tous les coups, il y a un truc en mode trafic explose. Non, ça va, il explose pas. J'ai bugué car je me fais monter. Oh là 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 là. Ah, je crois qu'on a Beyblade comme mode. Ouais, on doit avoir Beyblade. Oh putain, oh la station service elle a pris cher là. Ok, ok. Aïe! Mais... Ça va, c'est que 2 km. Ouais, c'est que 2 km. Oh là là, oh là là, oh les esquives. Oh les esquives, oh là là. Mais pourquoi c'est... Ça va. Une petite mix de vals. Avouez, ça serait passé comme musique de vals. C'est vrai qu'on n'en parle plus de Monsieur Trollolo aujourd'hui. Je sais qu'il est décédé, hein, mais le mème en lui-même, on l'évoque plus. Alors que c'était quand même... Ok, au moins ça fait un peu un slide jump, donc ça me permet de redescendre plus vite. À quel moment? Spawn compagnon de Go. Alors je sais pas où est-ce qu'il est, mais. Ah bah il est mort. Il a spawn derrière la voiture, donc il est mouru. Vite, allez, on va y être là. On va y être. Allez. Ouais, on va y être. 20 à quoi? Non, Vincent. Tu me connais pas encore, mais demande à Edwin, j'ai un humour, je suis une salope en même temps. Oui. Bah, la femme parfaite, quoi. Oh merde.
Bah, tu... Ah merde, c'était pas un jeu de mots ? Oh merde ! Ah, c'était pas un jeu de mots ? Oh merde. Ah je... C'était un jeu de mots, inévitable. Ah, je savais bien. Mais si, les montets, les petits gâteaux. Pardon. Je fais partie de l'entourage de la FEN, alors je suis... Oui, mais de toute façon, oui, mais t'es un cas, c'est normal. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a comme outil encore ? On a de nouveau les mêmes outils, donc on va refaire le même pôle. Mais vous savez quoi, on va sortir la variété. Bon, moi je remets pas les tétons. On sera, mais lui il me casse devant mon entourage. Ouais, non mais écoute, voilà. C'est voilà, il y a des fils de pute. Faut le dire. Quoi ? En cas où, alors non, pas en cas où. Non, pas en cas où. Non, j'avais pas vu, mais... Ah oui. Moi, j'en suis un en cas. Tu es un en cas. Quoi ? Quoi ? Je crois que vous avez eu des mauvaises interprétations. Ouais, mais ça va encore me faire un échec de mission, je parie, là. Pour l'essence, il faut un briquet. Eh ben, parfait. Craft stuff. Oh, putain de merde, mais ça n'a aucun sens. Yeah. Voilà. Téléport tout off of Maze Bank. Non, ça va, on n'y est pas. Attention, je suis sans respect pour les personnes qui font des choses dans tous les sens. Attention. Ah, mais c'est pas de l'essence, c'est que de l'eau, c'est pour le faire parler. Oh merde. Yay. La torture du gant de toilette, oui. Et bientôt, tu seras mort. Hey, mais il fallait parler, Michel, on te l'a dit. Si on fait hélicoptère, ça compte comme si on fait un truc dans tous les sens. Je sais pas, baisse ton froc. Spawn Fadio. Putain, mais il y a un scooter qui a spawn à cause du mec. C'est quoi, c'est de la torture au scooter, c'est ça? Les gens qui s'épuisent de la goutte d'eau, je te jure. Il y avait encore le singe qui était mort dans les escaliers de tout à l'heure. You're my eyes, Townley. What do you see? We're live. You see anyone down there who might be in Azerbaijani? C'est pour ça que l'autre player, il y a eu un deuxième. Attends, est-ce que tu vas me dire qu'il y a littéralement un clone de moi qui est en train de me tirer dessus par en bas, là ? Tu vas me dire que... Je peux mourir dans la cinématique ! Bon, je m'en vais. Tu t'en vas sans déconner ? Quelle pute, ce Gabi ! Pardon ? Et je peux pas le... Ok, prenez le contrôle de Trevor, nickel. Ok. Ok, donc là du coup, la pince, la clé anglaise. Ok. On refait un pôle encore. Hop. Question. Pince, clé anglaise. Voilà, vous pouvez voter. Nickel. Mais voilà, mais faut pas partir aussi, Gabi. Faut pas partir. Salaud ! Je sais où tu te caches ! J'attends que vous ayez voté quand même si je pense savoir à peu près pourquoi vous avez voté. Ah,
Ouais, d'accord, ok, très bien. Bah ouais, alors oui, je viens de mettre ma main comme un con devant la caméra, c'était juste pour pouvoir relever le câble de la caméra. Ah ouais, non, ça m'empêche de... Ok. Je voulais voir un truc, mais finalement, non, c'est un peu débile. Par contre, l'affichage, tu peux éviter de sauter, en fait. Hop. On est bien là, voilà, nickel, ok. J'attends du coup un peu de nouvelles, hein. C'est comme moi à se faire démonter dans les zones sombres comme Adaron. Pardon. Comme disait ma meilleure amie qui n'est plus là. Je suis comme une escalope, mais au fond, t'es une belle salope. Ok, donc on part sur la pince. On part sur la pince. En plus, ça c'est en relief, c'est magnifique. Ok, faites pivoter pour l'arracher. Faut parler, Michel, faut parler. Bah non. Logique. Tout à fait logique. Du coup ça marche pas, je suis en train d'essayer de l'arracher mais ça ne... Ok, je crois que le jeu est bugué. Là c'est la merde là. Hop, il y a rien qui va, mais je te jure. Crumbling Vehicles. Alors là normalement le scooter il devrait se faire écraser. En vrai, tu vois, on a renversé Trevor avec le mec, ça aurait pu faire l'impression que... Je vais pas finir ma phrase. Non mais voilà, je veux dire, on en est là, quoi. On en est là. Ouais, je peux pas... Et puis si je fais ça, bah non, ça ne change pas. Portal Gun, bah oui, mais je peux pas tirer. Je ne peux pas tirer, Michel. Go, go, go. De respecter c'est un dessin, j'avais pas vu. Non, Edwin est rentré dans ma chambre. Damn. bon, le jeu c'est quand tu veux, hein, parce que là je ne sais pas quoi faire. C'est une idée. Qu'est-ce que c'est que les pieds du singe? Regardez. C'est pas des pieds, ça! C'est un mec, il a fait ça, il s'est dit, vas-y, on va faire... Voilà, voilà. Le jeu, vraiment, tu lis, on dérange. Non, mais voilà, c'est... Je me dis qu'on va avoir un truc qui va nous débloquer. C'est forcé que ça arrive. C'est obligé. Non, mais j'avoue. Oui. Ah, oui. Ces pieds, je les veux sur OnlyFans. Et qui crache de f... Je me fais perdre mon temps pour rien avec ce fake crash. Le fake crash de fils de pute. Oui. Hey. C'est que du coup en fait ça me donnait pas les notifs. Ah ouais. Le temps que ça charge, moi je regarde juste hein, si on m'a envoyé des messages, tout ça. Tac. Ok, d'accord, ok, nickel. Très bien. Viens, on pète la gueule à Rockstar. Mais là, de toute façon, vous pouvez faire que ça. Hein. Vraiment. En fait, vu que j'ai bridé la vitesse de mon opéra, en fait, ouais. Mais en fait, sans déconner, si j'arrivais à afficher le nombre de spectateurs que je vois sur Twitch sur OBS, genre je pourrais totalement fermer Opera en fait le temps que je stream. Par contre, du coup, je suis curieux vraiment de voir si on refait du Minecraft, s'il y a les mêmes lags par exemple.
C'est quand même étrange. Là, le PC chauffe un petit peu par contre. On a monté à 70. Hop, j'applique la config. Ouais, ah, 5 fois timer speed. On devrait arriver à se débloquer. On devrait y arriver. Ah, don't hold forward. Attends. Oui! Monsieur K est mort, bah oui, tu m'étonnes depuis le temps! Tu m'étonnes! Il est mort de vieillesse là! Quoi? Oh non! Avec le force field! Oh non! Ah, c'est les boules! Je regarde un TMP. Y'a pas de soucis. Oh putain, je viens de voir le plus 9 là! Oui, bien sûr! Connasse! Yes! On passe un bon moment! Non, c'est bon, là, normalement, ça a disparu le Gravity Field. Bah, du coup, on va reprendre la clé, hein. Enfin, la clé lapin, je veux dire. Voilà. C'est moi, exactement. Putain, pour les cours de sabre laser, on m'a dit que ça se trouve, je pouvais rencontrer un mec qui s'appelait Merlin. Alors, monsieur, revenez, s'il vous plaît. Je vous fais une extraction dedans, alors revenez, s'il vous plaît. Ça serait quand même plus pratique pour vous extraire la dent, d'ailleurs. Il en avait tellement marre, il a fait non. Voilà. Reviens, voilà. Bon bah, hey, je vais vous faire un tour de magie. Vous connaissez l'histoire de la dent qui sort toute seule? Il a envie de se battre. Oh, il a la bouche. Ah. Mais du coup, ouais, pour les cours de sabre laser, devrait... Bon, qui va? Oh merde! C'est incroyable. Du coup, je disais, pour les cours de sabre laser, théoriquement, il y a un prof qui s'appelle Merlin. Moi, j'ai envie de le rencontrer et lui dire: enchanté! Voilà. En plus, t'en connais, sorti du cœur, je reconnais. Exactement. Exactement. Mais j'adore traiter les personnes que j'apprécie beaucoup de connasses. Michael, merde! Bah, je veux bien, mais j'ai pas tiré. Mais il se passe quoi dans ce jeu? Ou comme dirait le titre de cette vidéo, est-ce que quelqu'un comprend ce bordel? Voilà. J'ai tenté un truc. J'ai paniqué. J'ai paniqué. Tu le regardes, tu lui dis qu'est-ce qui est petit et marrant en référence au Kaamelott. Michael, mais comment... T'as fait une crise cardiaque, Michel? Les piétons explosifs en plus. C'est la merde, ça. Mais pourquoi Michael est mort? Mais comment Michael, il est mort? Oui, j'avais le droit d'essayer, c'est bon. Me jugez pas, vous aurez fait la même. Non, tu vas pas me dire qu'il faut qu'on... Bon, là, normalement, il doit rester la clé anglaise. On part sur la clé anglaise, hein, de toute façon. Ah, il le fait à la batterie, peut-être? Ah non, à la pince. On va lui péter les genoux, je crois, là.
Mais il s'est déjà barré. Il fait non, 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 s'il vous plaît, laissez-moi. Ah ben, ils veulent tous les deux se battre. C'est incroyable quand même. Incroyable, la chaise elle bouge toute seule, elle est hantée. Les pubs. Quoi? T'as eu une pub? Faut être sub. J'ai les subs. En plus, je dis pas, mais il y a le September en ce moment. Donc les subs sont 25% moins chers, ce qui fait que vous pouvez me soutenir pour la modique somme de 3 euros. Et dans 13 subs, ce truc-là dégage. Ok? Est-ce que c'est bon pour vous? Le Everyone is a Ghost, il est quand même incroyable. Voilà, c'est deux électrodes qui parlent à une ampoule. Incroyable ce jeu. Et là, on a un téléphone qui se balade. Personne entière. Qu'est-ce que c'est que cette... D'où tu sors? Imaginez l'aile de l'avion, elle se serait foutue devant le PNJ. Plus random trafic, genre il y a des véhicules qui sont incroyables qui arrivent. Genre il y a un putain de karting tondeuse. Alors j'étais en train de faire une blague en disant imaginez le machin il se met devant les piétons, mais tout le monde est un fantôme. Ah voilà. Je sais pas, il est en train de fumer, c'était pas lui? D'ailleurs, tu t'es trompé l'avion. Oh merde! Oh merde! Et tiens, oh merde, il fallait l'identifier d'abord, ok. Mais je suis sûr que c'était lui. J'en mettrais ma... Non. Non. Bah oui, en mode porte... Non mais c'est... Là, on est prêt pour le format de TikTok, y a pas de problème. Non, il discute, ouais, d'accord. Ah, lui aussi. Il a dit, c'est bon. J'ai eu la révélation. Incroyable. C'est vrai que c'est une bonne méthode, Andrea. C'est une bonne méthode. Ah, putain, on est en mode Minions. Du coup, ça fait que les électrodes sont pas à la même place. Incroyable. Petit Trevor. C'est incroyable. D'accord, ok. Non mais en plus avec ses flingues, c'est encore plus crédible. Je t'ai donné un nerf, Michel, tu vas pouvoir te venger! Nerf qui tire du calibre 50, oui mais ça c'est un détail. Putain, avec le trou noir, ça aurait été ridicule, là. Tout va bien. Allez, il y a le trou noir, là, il faut pas du tout. En vrai, qu'est-ce qui se passe si, genre... Je vais essayer. Marche pas, d'accord. Non, mais c'est juste pour être sûr. J'ai eu une chance... Alors, j'ai dit ça, mais en fait, là... Pas vraiment. Voiture épileptique, je te jure. Bon, là, ça va le faire. Y a pas de raison. On n'a pas encore eu le No Chaos méta de la soirée. Ah, qu'est-ce que c'est de la merde.
Bon, ça va. L'effet, il pourrait être pire si en plus de ça, on avait le delay de caméra. Parce que vraiment, ce serait injouable. Hop. Je sais pas où je suis. Je sais pas où on était. Je sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Oui, mais encore. Le jeu. Le jeu. C'est pas fini là, hein. C'est pas fini là. Journal de ma région lui décrire Abdi qu'il a écrit Abdul Abdouk. Par contre, genre vraiment sans déconner. Y'a plus d'effet, y'a plus de jauge, y'a rien. C'est quoi ce merdier? C'est la merde ça. Et puis j'ai pas de. Ouais, comment je vais faire là? C'est la merde ça. Ça c'est la grosse chiasse. Ouais. Comment on fait? Viens cliquer sur le crédit. Ouais, non mais c'est même pas le mode, c'est le jeu qui a bug en fait. Je vais défiler les crédits, on sait jamais. Voilà, vitesse max. On sait jamais, il y a peut-être un truc qui va se... Voilà. Non, le jeu il est pas cassé, tout va bien. Ah, vous êtes en vocal? Ah oui, en effet, Gabi est là. Ouais. Il y a quand même pas mal de personnes, hein. Et vous, ça va chez vous? Non, parce que bon, qu'on en parle quand même. Ça va? C'est la merde. Ah! Ah, attends, on vient d'arriver. Non, non, non. Ah putain, comment je vais faire? Ça marche pas. Je vais voir s'il n'y avait pas un truc, genre une sorte de terminal de commande ou je sais pas trop quoi, mais. J'ai vu qu'il était en vogue, car j'ai fait un message pour dire que j'arrête la modération sur deux chaînes car on me casse les pistaches pour venir modérer alors que je me détends sur un truc. Totalement. Ouais, non, là je sais pas du tout comment on va faire. J'ai peur en fait que si je quitte, ça ne marche pas, ça sauvegarde rien du tout quoi. Ouais, mais je peux pas lancer du online parce que vu que je suis en modé, c'est mort. Ouais, non, c'est ça, c'est mort. Hein. Faut pas mettre le en ligne là. L'éditeur à la limite. Ouais. Ouais, nouveau projet, ouais.
On va tenter un truc. Hein. Je crois qu'il y a moyen de faire un truc, je suis sûr. Projet, ça en est bon. Ajouter une séquence. Ah, on avait enregistré un truc sans faire exprès, d'accord. C'était quand 14 mai ? Ah, mais c'est du multi ça. D'accord, j'avais même pas fait gaffe. Non, c'est pas ce que je veux faire, mais ouais, bon. Mode réalisateur est actuellement... Ah, merde. Si on fait ça, aperçu séquence. Ok. On va voir ce que ça donne. Ici, la modération, c'est moi ! Ça va, t'es... Veuillez... Oh, bah, erreur, veuillez redémarrer et relancer le jeu. Alors là, dis donc... C'est que j'avais pas vu. Erreur gêne Map Store. Ok. Ah, et là, le jeu, il a. Ah, ouais, d'accord. Ok, là, le jeu, il a crash. Au moins, c'est réglé. Ouais. Ouais. Ouais, le message est très clair. Là, c'est. Ouais. C'est incroyable. Je. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on est. On aime ça. On aime ça. Alors, GTA, où est-ce qu'il est? J'espère sincèrement qu'il y a un truc rapide. C'est dans la boutique, tac, il est là. Voilà. C'est... Ah, c'est la merde. Ah, c'est la merde totale, là. Alors là... Ah, merde. Ah, merde de merde. Si jamais l'épisode... Enfin, si jamais ça, on ne reprend pas la sauvegarde, je pense qu'on va basculer. Faire du just chatting, ou du moins de la réaction peut-être YouTube, parce que je suis un petit peu épuisé, j'ai pas envie de me retaper tout ce qu'on vient de faire. Donc, on va voir. En vrai, si c'est juste la mission qu'on reprend, voilà, machin, ok. Mais sinon... Ah, je vais avoir un peu les boules. On la reprendra plus tard, hein, c'est pas le problème, mais là, pour le coup, ouais. Si c'est vraiment, vraiment la merde... On risque de stop GTA. Pour la soirée. Pour la soirée, je m'entends bien, évidemment. Ouais, non, là, c'est pas... Ouais, non, c'est pas... Ouais. Ah, je suis pas fan. Ça, c'est pas compliqué, hein, si on démarre avec... Ah, putain, merde. Ok, ouais. Je sais pas s'il y a un moyen pour... Je vais l'activer. Je peux désactiver le replay en maintenant Alt et en appuyant sur X3. Ah oui, d'accord. Comment est-ce que je peux gérer les codes de triche? C'est pas ce que je vais faire, non. J'essaie de trouver, hein, comment est-ce qu'on peut gérer le menu de... Ah non, c'est... Ouais. Là, c'est un peu... Ouais. Là, j'avoue que je suis un peu dépité. Je... sais pas quoi dire. Ouais, c'est pas folichon, folichon. Pas folichon, folichon. Je... Non. Écoutez, on va quand même essayer de reprendre vite fait, mais du coup... Faire autre chose parce que la mission était tellement longue. Moi qui voulais atteindre les 30%, bah alors là, c'est la merde. Hein. Man, are you serious? This motherfucker is fly. Glad you like it. As I told you, it's yours. Ouais, si on regarde un petit peu ce qu'il y a comme effet, puis on repart, hein, de toute façon, sur...
Ouais, je peux même pas skip. Ah, parce que j'étais en... D'accord, ok. Merci, j'ai bien compris que c'était chez Franklin, y a pas de souci. Ok, bon. Eh ben, on va tenter, hein. On va tenter de reprendre quelque chose. On va... Le paradis, il est vraiment pas... Là, ça c'est à moitié buggé. On va faire au mieux. Essayer de reprendre là où on avait essayé de commencer. Après, faut quand même relativiser sur un truc. Une mission qui plante comme ça, ça veut dire une mission à recommencer et du coup encore plus de fun. Par contre, c'est... Ah non, c'est... Je croyais que c'était traduit tout à l'heure, mais non, non, non. No sprint, no jump, non, c'est des nouveaux effets, ça. On est d'accord. Ouais, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas d'algo, de reset, de machin. Hop. Tac. Voilà, et du coup, il nous manque plus que Beverly. Oh putain, pas de radar, mais va te faire foutre le jeu. Il était en quelle poubelle déjà? Il était juste à droite là, c'est ça, non? Bah d'accord. Ah bah, il est con le Edwin là. Allez! Avance! Oh, c'est chiant ça. Quand il y a des quêtes de GTA, justement, quand ça avance pas, c'est casse-couille. Il n'y a pas d'Hidalgo. Hidalgo! Vas-y, on check l'effet que ça donne, et puis on avance. Minimal damage, ok, de la merde. Putain, il vient de se péter la gueule, le con. Si everything's good, alors everything's good. L'option de pause du sauvegarde automatique du menu pause est actuellement désactivée. Ah. Je fais quoi là? Je peux pas faire... Ah, je peux pas... Ah, si, j'ai envie de mourir. Je peux pas faire pause. Parce qu'il y a pas le radar, je peux pas faire pause. Alors, qu'est-ce que je fais? J'attends, j'attends pas, je... Là, je... Ouais. Bon, en vrai, il y en a pour quelques secondes, donc on va attendre un tout petit peu, voir s'il y a pas quelque chose d'important à faire. En vrai, si je bouge mon perso... Ouais, deux, ok, ça va bien valider une quête. Au moins, on sait que tout à l'heure, du coup, ça l'a validé. C'est déjà ça. On va essayer de faire la mission avec le fourgon. Hein. Tout à l'heure, ça marchait. Donc, enfin, ça marchait pas. Donc, là, normalement, si on n'a pas trop de mode actif, on devrait peut-être y arriver. On va voir. On va voir. Au moins que ce soit jusqu'à une certaine heure. C'est une certaine heure? C'est une certaine heure. Et ben, on va aller au B. C'était quoi déjà le B? Oh fuck. Oh. Oh les bâtards! Oh les enculés! Ah les bâtards! Mais c'est pas Barry? Peut-être. Peut-être, oui. Je ne sais plus. C'est Barry Allen! Est-ce qu'on voit au cinéma, c'est The Flash? On l'avait pas faite tout à l'heure celle-là, non? Mec là? C'est mec là. Cette blague m'a laissé en voix comme Bruel. D'ailleurs, on dit Patrick Bruel, mais vu comment ça s'écrit. Un bidon de fuel, on dit un bidon de fuel, donc ça devrait être Patrick Brioul, pas Patrick Bruel. Ah putain, j'avoue, c'est le mec qui te fout de... qui te dope. Eh oui, donne-moi du cannabis, allez. Ah, il y a une pluie de véhicules, j'ai... Non, mais il n'y a pas besoin de fumer, vu les bagnoles qu'il y a autour. Putain, il y a une... Oh mon dieu, attends. T'es, viens par là, toi. Ouais. Ah, je t'ai repéré, toi, là. Oh, maman, qu'est-ce que c'est, ce truc-là? Zorusso aussi. Oh, mon Dieu, mais elle drift en plus.
Y'a quoi d'autre qui a spawn? Y'a une moto là, ouais, pas fou, ok. Moto. Autopilot. Mais non, comment ça, autopilot? Comment ça, autopilot? Où tu vas? Où tu vas? Nouveau contact de varié. Putain, t'avais vraiment le... Mais ça se dit Bruel et c'est écrit Bruel. Vu que c'est un mec, ça serait Bril et ça ferait nombril. Ah! Attends, vu qu'il y a un autopilote, si je vais là... Est-ce que ça marche ou pas? Ah, je crois qu'il va me mettre le... Ah, ouais! J'ai entendu une rumeur intéressante sur l'occasion, je... Ok. Mais pourquoi de... Complètement con, ce jeu. Complètement con. Mais non, attends, je suis con, ça c'est avec la drogue, mais c'est pour Trevor, ici. Ah, les photos, ok. Donc là, on a un point là, et un point là-bas. Ok, on va d'abord aller à celui-là. La Lambo Tesla. Et après, elle n'est pas électrique, elle fait pas de bruit. Mais c'est vrai que ça a patate, là. Je saurais pas dire sur quel modèle c'est basé. Il y avait un inconnu détraqué sur la route, non. Bye bye. Elle a quand même une belle gueule. Franchement. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. La musique est merdique. Je sais pas ce que c'était la musique, mais elle était merdique. Wouah, le camion qui a pris la confiance. Oh le chien, non, 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 tout va bien, tout va bien. Ok. C'est bien ce que je me disais, hein. Yo Chanka, ça va bien et toi? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Attends, normalement... On va tenter un truc, hein, mais normalement si je fais... Ah, je peux même pas tirer? D'accord. Bah écoute... Bah voilà. Voilà. Tout va bien. Oh putain, mais non, mais j'allais... Oh... Ah mais si, c'est son objectif, je suis con. Ok. Et du coup, Chanka, ce qu'on avait parlé, du coup, ça va un petit peu mieux? Ça s'est passé comment? Parce que du coup, tu m'as pas plus informé que ça. Mais non. Mais non, tu me rends ma voiture, en fait, le jeu. Bah ouais, tu me rends ma voiture, en fait, enculé. Non, mais oh. Ouais, ok. Ils sont là, haute surveillance, à ta place, je prendrai une photo depuis le toit. Bah écoute, on va prendre depuis le toit, hein. Je peux monter là? Non, je peux pas monter. Mais non! Mais pourquoi? Mais pourquoi le jeu? Ah mais j'ai envie de mourir! Je te parlerai plus tard. D'accord, pas de soucis. En tout cas, hésite pas, si t'as quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, hein, franchement. Non mais ça ira plus vite en fait. Attends, on va quand même mettre un GPS parce que là c'est la merde. Ça va, ça lag pas trop là un petit peu, j'ai l'impression d'avoir des micro lags moi. Ça va? Oh, ça va, une étoile pour ça. Vu qu'il y avait la Ferrari, j'aurais tellement pu la prendre. Mais bon, ce serait tricher de prendre une Ferrari. Ah, le menu pause. J'ai peur que la voiture de flic fasse demi-tour devant. Goofoxy, comment tu vas? Alors, par moment, des petits coups de lag, mais rien de méchant. D'accord. Bah, je pense que c'est le jeu qui doit être encore en PS. Bon, tu sais quoi, en vrai, on va peut-être prendre cette Ferrari, malgré tout. Hop. Ça va et toi? Bah écoute, moi ça va pas mal. Bon, j'ai mal dormi, mais ça, sinon ça va pas mal. Ok, bon allez, on se casse. Let's go! Pour le moment, les effets sont pas en train de nous écraser la...
Faut vraiment que je la ferme un jour. Ça va. En vrai, c'est pas grand chose, mais. J'ai volé une Ferrari par. Oh merde. Bah oui, mais bon. Ah, mais. Le jeu, tu vas te calmos, hein. On peut recommencer ou pas? On peut recommencer. Comment ça, j'ai alerté la sécurité? D'où? D'où? C'est une dinguerie! Ils ont pris de la drogue! Le seul truc, téléporte to waypoint alors qu'on me dit non, n'y va pas! Ah! En roulant avec un parasol. Mais oui, mais c'est ça le problème! C'est ça! Ah! Mon dieu. Putain, eux ils roulent avec un baril. C'était baril white. D'accord, d'accord. Oh merde! Oh merde! Hey, mais il m'a dit de monter sur le toit, j'ai essayé. Je suis contente que tu vas bien. Oh mon dieu, la faute, Andrea, c'est que tu ailles bien. Désolé, je suis chiant, c'est vrai que j'ai eu un gros toc en disant ça, mais... Ok, donc là, utiliser l'appareil photo du téléphone, ok. Mais connard de baride... Mais oui, mais ta race, en fait. Ah... Genre, toujours le catch, c'est ouf. Tu m'étonnes. J'ai fait une photo où on dit pas je suis contente que tu vas bien, mais je suis contente que tu ailles bien. C'est quoi dans un autre véhicule? Ça va. Vous êtes pardonné, c'est une Blista Space Monkey. Elle s'appelle la Space Monkey d'ailleurs ou pas? Oui, Blista Gogo Monkey, c'est pas mal ça. Eh ben tu sais quoi, fallait qu'on monte sur le toit. Bah on va monter sur le toit. Je crois qu'on peut monter sur le toit par là. Je me plante peut-être, mais... Chico's Hypermarket. Ok. La France a gagné au rugby, d'accord. Et c'était contre quelle équipe? Parce que je regarde pas le sport. Je pense que ça se voit à ma carrure que moi et le sport, ça fait 4. Et encore, à la base, on était 3, mais il y en a un qui a décidé de se joindre à nous. Alors, comment est-ce que je compte le nombre de personnes qui est en moi? Contrairement aux prostituées, pour compter le nombre de personnes qui est en moi, je monte dans un ascenseur et je vois combien de fois ça bip. Pardon, désolé, c'était beaucoup trop simple. Faut que j'envoie à qui déjà? Faut que j'envoie à Barry. Non, à Beverly. Dépêche-toi de filer. D'accord, je me dépêche! Des questions sur le Big Foxy est là. Très bien. Eh bien... Le rugby, le football gaélique et le football américain sont-ils le même sport, mais juste avec un nom différent? Oh là là, ça c'est pas du tout la personne qui cherche la merde qui pose ce genre de questions. Tout va bien. Je m'en doutais un petit peu. Ah. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on n'a pas foutu une déculottée aux Néo-Zélandais la dernière fois? Parce que j'ai pas suivi, hein, mais j'étais dans un bar à ce moment-là, et en fait, j'ai vu le résultat. 27-13 contre les All Blacks. À quel moment? Hormis que mon ex m'a détruit la journée avec fun en règle le problème. Exactement. Exactement. On règle les problèmes ici. Il y en a qui les créent, nous on les règle. Et il y en a qui créent leurs propres règles. Quoi? Ah mais c'est atroce le weird pitch là, c'est atroce. Ok, poursuivez Poppy. Ah yes, faut attaquer Poppy. Yes! Bon, au moins ça fout pas trop le seum puisque finalement on est en train de faire des quêtes qu'on aurait... Enfin, qu'il fallait qu'on fasse quoi qu'il arrive. On oublie ce chien. Exactement. Bon, et sinon, ta journée à se lever à 5h du mat, Foxy, s'est passé comment? J'ai appris que les All Blacks sur 32 matchs de phase de poule ont été... Ça a été leur seule défaite. Oh ouais, GG la France. C'est pas mal, là, le Quake FOV pour la poursuite. Hé, raccourci! Non, un peu trop loin, trop loin, trop loin! Raccourlons! Rallongis! Oculus Reparo! Vite, on va les rattraper.
Tout va bien. Non. Hello Chris. Bienvenue Michel. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Hop là, comment ça va? Pika pika. Voilà. Avec le badge que lui seul est en mesure d'avoir, ce petit badge rouge à côté du pseudo. Incroyable. Bah oui, bah évidemment, il manquait que ça. Une voiture random. Là, on est tout à fait dans le jeu, là. Là, voilà. Et toi? Bah, à part la fatigue et des crampes au mollet ce matin, ça va. Ah! De tous leurs matchs en Coupe du Monde, les All Blacks ont jamais perdu un match en poule. Putain. 10K de Tobit. Et oui, c'est les Tobit! Oh, les... Oh, la bagnole de flic! Je sais pas si c'était scripté, mais c'est classe! Ok, ouais, d'accord. Elle est classe cette mission, ça rattrape un peu le tout. Bon, le extrême fog, j'avoue qu'on s'en passerait un peu, mais ça va. Tant que je suis en train de suivre les flics, ça passe. Non, la blista, oui, très bien. Allez, le brouillard, dégage. Fallait tourner, c'est pas grave. Ah! Ok, ça se passe. Ok, let's go. Tac. Allez, courage, ouais, merci. Allez, j'arrête de me plaindre et je me suis... Bah, ça va, Andrea, t'inquiète. Du coup, levé à 5h, on n'en parle pas, ça a été dur. Je comprends. Et de bain la même, je comprends. Si ça peut te consoler, dis-toi que j'ai dormi à peu près 4h et quelques cette nuit. Voilà. Merci les crampes, du coup. Et merci, moi qui ne suis pas sérieux, parce que... Starfoula. Alors, est-ce qu'on peut prendre une photo comme ça ou pas du tout? J'ai envie de crever! Ouais, on peut, je pense. Ouais, nickel. Envoyer la photo à Beverly. Yes. Dans vos têtes, oui. Exactement. Dégage, on te fait choper. Yes! On voit que dalle! Yay! Friendship is magic! Yay! Hop là. Tiens, ça me fait penser, Chris, tu as regardé le GP Explorer? Je pense que oui, hein, vu que c'est à côté de chez toi, mais on sait jamais. Enfin, à côté de chez tes parents. Tac. Et alors, déçu, pas déçu, ça se passe comment? Et demain, éclair. Oh! Alors, je t'avoue que les éclairs, moi, c'est un truc... Je comprendrai jamais comment t'arrives à faire une pâte avec suffisamment d'espace pour mettre une crème à l'intérieur. Je sais pas, je... C'est... J'ai envie de dire GG, quoi. Putain, mais il y a combien de trucs à faire? Cachette d'herbe. Ah, c'est de l'herbe, c'est pour... Ok, d'accord. C'est pour Barry. Alors, CG pour Sylvain et aussi pour Max et Manon. Ouais, exactement. Ah, Deg, oui, ok. Ouais, exactement. Complexe à expliquer. Eh ben, j'aime bien ce que tu dis que c'est quand même facile, mais ensuite c'est complexe à expliquer. Après, tu me diras si c'est dans la manip, voilà. Hein. Je te montrerai si tu veux Phoenix's Fire, je te ferai un Derrick Scrum. Ouais, y'a pas de soucis. Au pire, hein, j'ai envie de te dire, tu passes à la maison, et puis tu me montres comment est-ce que tu tiens un éclairant. Pardon? Je vous demande pardon. Ah, merde. Rappelle-moi, tu vivais où, Andrea? Edwin? Ouais, j'ai essayé de prendre ta voix, Noé. Ah, non, faut faire... Edwin! Voilà, c'est comme ça. J'espère que j'ai même... Oh, et moi? Bah, vas-y. Mais ramène ton cul. Attends, mais je peux... Mais c'est pas ça que je suis censé prendre. Je suis pas censé prendre la dépanneuse, si. Je suis censé... Pourquoi t'as une arme? Oui, mais Noé, est-ce que tu sais faire les éclairs comme Andrea sait les faire? Et voilà. Oui, ça part dans une ambiance incroyable. Là, on est vraiment au summum de la chaîne, là. Ah d'accord, c'est faut que j'aille avec lui, d'accord. Bah... Bon, Clétus,
Ah, je comprends pour la dépanneuse. Man, are you fucking kidding? I should have never listened to that high ass fool. Alors, pourquoi c'est ouvert? Ça, c'est parce que c'est le jeu, en fait. C'est le mode Night Vision qui, là, va se désactiver. Voilà, tout de suite. C'est le jeu, en fait. C'est-à-dire que c'est GTA, mais avec des tas de modes. Genre, si tu vois à droite de l'écran, tu as plein de trucs qui pop toutes les 30 secondes. En fait, il y a un nouveau mode. Genre là, tu vois, ça vient de foutre en feu le piéton. Voilà. Ah, c'était un compagnon random, ce que j'avais. D'accord, c'est la foutue en feu. Ok. Alors, par contre, je suis pas plein à 3, mais j'aime les chiffres impairs, donc faut acheter quelqu'un. Oh. Ou un doigt, c'est vrai. C'est pragmatique. Hop là. Comme Mr. V dans le Whoop. J'aime que les chiffres pairs, j'aime que les chiffres pairs. Drôle. Oui, c'est incroyable. Et depuis tout à l'heure, c'est la merde en fait. Genre là, tu vois, il y a un seul effet. Pas grand chose. Mais voilà. Gabi, il voulait revenir. Ah bah écoute, Gabi, il va aussi se faire remplir l'éclair au chocolat. Hein. Mais pardon, mais... Moi, je fais des nuggets maison. Oh, alors ça, là, tu m'intéresses, Miguel. Non, parce que, très sincèrement, quand même, Noé, bon, moi, je te fais des aiguillettes de poulet pané maison sans problème. Je te fais des filets de poulet pané pour avoir, tu sais, genre un peu comme du... Je veux dire, comme un filet au fish, mais du poulet dans un filet au fish, c'est quand même con. Mais comme dans un Royal Chicken, un truc comme ça, ça, il n'y a pas de problème. Mais alors, des nuggets, j'en ai jamais fait. Et du coup, est-ce que tu fais comme ils le font au McDo? C'est-à-dire qu'en gros, ils mâchent le poulet, puis ils le recrachent pour en faire une petite boule avant de le faire paner. C'est complètement dégueulasse ce que je viens de dire. Non? Ah. Eh bien, tant pis. Hop là. Eh, hey, what? Hein, quoi? Hein? Hey, ah non, vous faisiez pas comme ça à l'époque, à l'école? Comment ça se met les flics? Comment ça se met les flics? Mais t'as race con, en fait! Allez, bâtard. En plus, je mange. Bah, bravo, Nils. Et ce week-end, j'ai quoi comme devoir? M'entraîner pour les meringues. Oh. Alors, tu vois, c'est pas compliqué. Parce que les meringues, si tu veux, c'est quelque chose, c'est un peu la revanche, si tu veux, de la ségrégation. Parce qu'en fait, à l'époque de la ségrégation, c'était les noirs qu'on battait. Là, aujourd'hui, avec les meringues, c'est les blancs qu'on bat en neige. Ah bah, il n'y a plus de problème de piéton, maintenant. Pourquoi il y a une boule orange dans le ciel? Oui, j'ai vraiment osé la blague, je sais. Moi, mes nuggets sont pleins d'amour avec une belle chapelure. Oui. Et ta chapelure, tu l'as fait comment? Tu l'achètes toute prête? Ou alors est-ce que tu fais un écrasé de biscotte? Ou alors est-ce que tu prends des cornflakes? Comment tu fais ça? Moi, j'aime bien la pavlova. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais le nom me parle, donc je veux bien que tu me définisses ça. Dites-moi tout, donnez-moi vos meilleures recettes. Moi, ma recette signature, c'est le chili con carne. Est-ce que Gabi et Alex peuvent approuver mon chili con carne? Aïe. Je sais la voiture. Ah, c'est un peu la merde, là. C'est un peu la merde pour semer les flics, là, dans cet état-là. Yaaaaah! Oui. Alors, le pavlova va être un gâteau à base de meringue nappé de crème chantilly recouvert de fruits. Oh, ça a l'air bon. Vous m'invitez. Mais oui, mais je sais, Noé. Mais tu sais, il y a un problème dans ta vie, Noé. Tu vis loin. Ceci étant, tu peux me donner la distance entre chez toi et Metz, s'il te plaît, Noé? Ça se trouve, c'est complètement super loin et je suis en train de dire une grosse connerie, mais voilà. Putain! Oui, le chili con carne, putain, ouais. Mais pourquoi? Pourquoi le jeu? Moi, préféré, c'est ton éclair, bébou. Bébou. Burger de saumon au barbecue. Ok. Intéressant. Voilà, ça parle de soi-même, c'est bien. La recette, c'est pas un nom chinois. 2h30, j'y étais il y a une semaine. D'accord. Moi, j'étais immense de 8 à 20. D'accord. Non, parce que du coup, en fait, la première compétition française de sabre laser a eu lieu à Metz cette année. Et du coup, bah, je sais pas de quoi sera fait l'avenir du sabre laser, ni mon avenir tout court, mais à l'occasion. Après, faudra que je me pose une semaine de vacances un jour pour aller dans l'Est de la France, parce que je suis jamais spécialement allé dans l'Est, et j'ai tellement de personnes à voir. Je me dis qu'une semaine, ça suffira même pas, tu vois. Tu crois vraiment que je vais venir te voir IRL sur une compète de laser? Bah, oui.
Alors que tu sais que je te bats. Ah, mon petit Noé, mon petit Noé, mon petit Noé. Meilleure région. Bah, région de l'Est, c'est pas mal, quoi. C'est comment dire, il y a... Tu vois, genre, c'est par là-bas, l'Est. Si tu viens à Metz, je te paye une bière. Bah, nickel, franchement. Non, en vrai, tous les jours, je viens. Bah, franchement. Après, on n'en est pas rendu là, hein, si tu veux. Genre, vraiment... Premier degré. Oh, véhicule shoot rocket. Attends. Left click ou RB? Mais je peux pas en fait. Si je fais clic gauche, ça marche pas avec ça, d'accord. Le sud be like. Ah, j'ai vécu dans le sud après. Hein. J'ai vécu dans le sud. Je pleure comme une madeleine. Et oui. Et oui. Et ça, c'est beau. Non, pas c'est super dur la tarte au citron meringuée. J'avais pas vu ça. En effet, je me doute que ça doit être dur. La tarte au citron, c'est pas évident déjà, donc ouais. Ah mais attends, mais j'ai loupé pas mal de messages en fait, j'étais tellement dans le truc là, attends, je remonte juste un petit peu le... Si, tarte au citron meringué, exactement, bonne tarte meringuée, mon plat préféré c'est... Ah non, si ça va, ok, non je croyais. Toulouse, Montpellier, Toulouse. Toulouse, j'ai vécu à Toulouse, ouais. Enfin à Toulouse, pas exactement Toulouse, hein, mais une ville à côté. Pourquoi y a un... D'accord, Meteor Shower, ok, c'est la joie. Bon, après, c'est loin d'être ma ville préférée, hein, franchement. Mais voilà, j'y ai vécu, donc. Voilà. On peut en parler. C'est pour ça qu'il aimait le saucisse à l'eau. Moi, je dis, tu viens à Colmar. Oui. Carlo? Carlo le Colmar? Pardon. En fait, j'ai vécu à plusieurs endroits dans ma vie. J'ai vécu en Vendée, là où je réside actuellement. J'ai vécu à Toulouse, pour une première vague d'études. J'ai vécu à Angers, pour une deuxième vague d'études. Et je suis allé déjà sur Paris, Bordeaux, Nantes. Et en fait, c'est à peu près tout, hein. J'ai quasiment rien fait de la France. Je t'aimais de plus en plus, bah de là de moins en moins. Mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute du jeu. C'est voilà. C'est à cause de ce qui se passe là. Non, mais c'est-à-dire que. Comment dire? Quand j'étais à Toulouse, j'avais à peine 18 ans. J'avais pas de véhicule, j'étais pas autonome. C'était même pas Toulouse, c'était Auzeville-Tolosane, si jamais le nom te parle. Et j'ai foiré mes études là-bas au bout d'un an, en fait. Donc c'était un petit peu chiant. Et mon père est tombé gravement malade pendant que j'étais là-bas, donc voilà. Après, j'ai envie de dire, bon... Les sudistes, il va falloir qu'on soit d'accord sur un truc. C'est pain au chocolat. Voilà, ça c'est comme ça qu'on se met la moitié d'une communauté à dos. Voilà, il y a le rugby, bonne ambiance et tout. Non mais je dis pas si tu veux, mais vu que moi je suis pas sport... Par contre, j'avais un ami toulousain qui a offert à mon père un t-shirt du stade de rugby, du stade toulousain de rugby, enfin, bref, du stade, voilà, t'as compris, dédicacé du coup par l'équipe. Voilà. Ça, c'est cool. Alors si, il y a un point positif de Toulouse, c'est les bonbons à la violette. Ça, c'est bon, ça. Pain de croissant au chocolat. Ah, c'est la merde. Ok, ok, ok. Mais non, mais non, mais non! Ah, j'ai envie de mourir! Je veux... Oui. Oui, non, mais c'est vrai, les bonbons à la violette, c'est incroyable. Franklin, je... Laisse-moi respawn! Mais... Comment ça? Bonne griffe. Je vais juste à dédicacer. Ah. Écoute, voilà. Il le porte tous les jours, mon père. Donc je te jure que... Enfin, je dis tous les jours, j'exagère un peu. Mais vraiment, genre, il doit le porter, ouais, 4 jours sur 7. Incroyable, franchement.
Mais en fait, si tu veux, c'est que cet ami que j'ai dégagé de ma vie pour des raisons particulières, en fait, il a été en cours avec deux des joueurs de la sélection actuelle de je sais plus trop que, quoi. Enfin, voilà. Donc, du coup, il les connaît bien. Donc, du coup, il a fait signer, machin, tout ça, voilà. C'est pour ça. Après, si tu veux que je te l'envoie en contact, il n'y a pas de souci, hein. Tamak, je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée de qui il connaît. Elle est complètement cinglée, Foxy, là. C'est... Oh. Non, c'est le gars en question, il a juste été à l'école avec eux. Il fait pas de rugby et vu sa carrure et vu son allure... Déjà, il sera jamais rugbyman vu sa carrure, et vu son allure, à la limite, c'est plutôt le ballon qui aura une carrière dans le rugby, mais bon. Son front qui aura une carrière dans le rugby en tant que ballon, plutôt. Pardon. Voilà. Et là, normalement, à peu près 2-3 personnes ont dû voir de qui je parlais en parlant de front. Mais wesh, mais what? Mais c'est quoi, c'est... Mais c'est quoi, ce... Mais wesh! Est-ce qu'il y a littéralement un hélico de flic rose qui vient de se poser à côté? Accrocher la voiture. Mais je veux bien, mais elle est où la voiture? C'était pas une voiture, ça. Un fan de rugby? Non, à peine. Je vois très bien, exactement. Bisous les modos. Et oui. Front? Oui. Ah, mais c'est que tu vas te coucher. J'avais pas vu. Des oubliés demain. Oh, j'avais pas vu. Désolé, Andrea. Ouais, je défile les... Oh, attends. Je vais vous laisser, désolé de ne pas rester, j'ai l'air méchant du... Oh non, ma pauvre! Carlo dans le coltard... Oh, mais pourquoi est-ce que je les vois pas depuis tout à l'heure, tes messages? Bah, des bisous, Andrea. Mais envoie un message, dis-moi ce qu'il y a, pourquoi? Dis-moi. Alors... bah du coup, la mission, elle a été foirée avec ça, en fait, je suis en train de penser. Voilà, vous êtes trop mignon dans le chat, vous êtes trop mimi. Bon, de toute façon, je vais pas tarder à éteindre le live, dans un quart d'heure à peu près, je vais terminer le live, parce que là, j'ai vraiment besoin de sommeil, hein, pour rattraper ma nuit d'hier. Si je peux éviter les crampes, ce sera encore mieux. D'ailleurs, pour éviter les crampes, pensez à boire de l'eau, grâce à votre gourde Air Up. Ah oui, non mais ça peut jouer, non mais c'est vrai que c'est con à dire, hein, mais le violet c'est vrai qu'il a un effet un peu... Oh il est joli l'hélico, j'aime bien, après moi j'ai envie de te dire, genre regarde la couleur de mon pseudo, genre... Voilà, moi c'est pas compliqué, c'est du rose flashy, peut-être vous... Oh d'accord, t'as peut-être le Covid, bah t'approches pas. Mais ça c'est le sud aussi, vous dites toujours la bise, tout ça, voilà. Voilà, mais oui, mais la proximité sociale, c'est pas possible de la retirer dans le sud. Voilà. Quelle idée. Non, par contre, sans déconner, j'ai plus rien à faire avec Franklin, là. Ah, mais j'ai fait tourner le coup de la panne. Ah non. Ah bah, on va se suicider. Ça va, en plus avec le... Normalement, un PV, ça devrait aller. En même temps, les sudistes, ils font 4 bis, sans déconner. Alors, oui, mais en Vendée, c'est la même chose. Hein. On fait aussi 4. Moi, si tu veux, ça ne me choque pas. Ouf. Oula. Proxy quoi, Kezako? C'est important, c'est ma prof de maths. Ah ouais. Non, c'est chaud, ça. C'est chaud. C'est chaud patate. Au fait, je vais commencer à vous annoncer un tout petit truc. Mais pourquoi est-ce que... Oh là là. Je vais juste commencer à vous teaser un petit truc. Donc là, on a l'événement Clash Battle d'éloquence qui vient d'être validé, du coup, sur le live. Donc on va pouvoir préparer un live où on va essayer d'être les plus éloquents possible. Voilà. Et c'est là que ça va devenir intéressant. En plus de ça, il y a d'autres événements qui se préparent. Déjà, je suis en train de re-préparer l'événement qui avait été financé avant mon arrêt des streams, qui était le live sexologie.
Donc ça, ça sera au programme. C'est en stand-by, il y a du temps, j'ai pas mal de choses à raconter. Il y aura plein de personnes qui viendront, on va échanger, ça sera beaucoup plus maîtrisé que la première fois qu'on en avait fait un. Voilà. Et troisième chose, la chaîne va participer à un événement caritatif. C'est-à-dire qu'on va être en mode stream caritatif, tout simplement, au mois de novembre et au mois de décembre. Donc c'est-à-dire qu'à ces occasions-là, pendant deux périodes de trois jours, du coup, tous les dons et subs qui seront faits, si j'ai bien tout saisi, tout l'argent qui sera investi dedans partira du coup pour des associations caritatives. Une association en particulier que j'attends qu'on me communique pour le moment. Voilà. Tout simplement. Je serai là pour la sexologie, c'est faux, je sais pas, faut que j'en parle avec toi. Pas de soucis, pas de soucis. On planifiera ça, tranquillou. Ah bah désolé Jésus, je t'avais pas vu. Alors j'ai dit qu'il se ferme là, donc bon, je vais aller dormir. Désolé, je suis pas resté longtemps, mais bon, des bisous. Mais pas de soucis, en tout cas, ça fait plaisir de te voir passer, en tout cas, Foxy. Des bisous, porte-toi bien, à la prochaine. Et puis, la prochaine, c'est pas compliqué chez nous, c'est demain, 21h, et ce sera du Pokémon. Voilà. Ah, parce qu'il y a le DLC qui est sorti hier, j'ai un peu le seum, parce que je pensais que c'était demain qui sortait. Tout va bien. Donc on va faire le DLC demain. Voilà. Programme, voilà, tout simple. En plus, j'ai ma manette pro, donc maintenant, je suis content. Donc voilà. Et du coup, voilà, des bisous et à demain. Hop, non, la voiture, reviens. Tiens, je t'explique un peu. D'accord. Tac. Ah. Tu l'as commencé. Oh là, le tarba. En vrai, il est bien ou pas? Car j'ai reçu ma belle manette aussi. Oh. Tiens, juste Noé, dis-moi, c'est dans celui-là ou pas qu'il y a les starters de toutes les autres générations qui sont en nature? Ou c'est dans le deuxième? Je sais plus. Ok, c'est bon, là on a amené le véhicule à sa place, tout va bien, ça glisse un peu mais c'est pas grave. Ouais. En gros, ils avaient annoncé qu'il y a une zone dans un des DLC de Pokémon, mais je sais plus lequel DLC, où il y a grosso modo tous les starters de toutes les régions qui existent, qui sont disponibles en fait en spawn. Mais je sais plus si c'est le premier ou le deuxième DLC. On sait jamais, mais ça se trouve c'est peut-être du coup pour le deuxième. Ah, quand tu me dis tu l'as commencé, c'est que t'as commencé le jeu de base. Je croyais que t'avais commencé le DLC parce qu'il est sorti hier. J'avais pas compris. Donne-moi ta moto, toi. Voilà, une petite Aprilia. Hein. Mais avance, stop and stare, d'accord. Je l'avais dit que je l'avais pas fait. Oui, non, mais je sais, dans ma tête, j'ai parlé du DLC, donc moi, tu me dis je l'ai lancé. Enfin, je l'ai commencé. Je pensais que t'avais commencé le DLC. J'ai pas réfléchi. Tu sais, Noé, je ne réfléchis pas. C'est ma particularité en tant que streamer. Je suis un streamer sans cerveau. Amourante, quoi. Non, voilà. Oh, un ban, dis donc. Ils sont sympas, les bans par ici, hein. Wazebot, le dégaineur le plus rapide du monde. Je vous jure. Non, mais qu'est-ce que quoi? Mais comment ça? Mais il s'est passé quoi? Mais quoi? Mais je fais quoi? Voilà. Mais what? Incroyable. Ah non, je peux pas courir! J'ai des morts. Si j'enjambe, ça me... Ah oui, ça me pète la gueule aussi. Magnifique. Et là... Non, ça va. Bleh. Ouh, ça fait mal à la nuque, ça. Ouh, ça fait mal. Combo time. Oh non. Non. Ça va être la merde, là, le combo time. Là, je le sens très très mal. Là. Qu'on soit bien d'accord, je le sens très mal. Ça va être la merde. Merde.
Lock player inside véhicule. Eh ben voilà, bah va te faire enculer le jeu du coup. Pourquoi est-ce qu'il a disparu le machin? Waouh, mais il y a des upgrades de fou. Incroyable. Incroyable. Alors attends, du coup c'est... Mais non, c'est pas de nouveau, hein, c'est ouf. On va cachette d'herbe. On va aller faire la deuxième. Et je pense qu'on va finir cette cachette d'herbe et ensuite on s'arrêtera. What? Ah bah non, je suis loqué dedans. Je suis loqué dedans, donc c'est la merde. Bye bye. Adios. Adios. Et voilà. Et c'est la merde. Et c'est la merde. Et on s'en sort parfaitement. Allez, le jeu. La lock player inside les véhicules, c'est-à-dire qu'on va être encore verrouillé. Allez. Allez, allez. Ouais, la futo, yes, yes. Ça, c'est bon, ça. On a tout le monde un stun gun. Oh. Pistolet paralysant, là. Ouais, mais ça marche pas, du coup, à travers une vitre. Et voilà. Hop, tu les écrasouzes. Par contre, c'est moi ou plus personne ne parle depuis qu'il y a eu Wisebot qui a ban quelqu'un? Vous avez peur de vous faire ban vous aussi, ça? Oula, 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 tout va bien. Je regarde un truc. D'accord, très bien. Voilà. Oh non, mais non, mais drunk et lag. Mais c'est injouable! Mais c'est injouable! Tout le monde a peur, hé hé. Et oui. Drunk et lag. C'est non? Non, ça s'appelle le drag. Le drag. Le drag. Non, non, pas les flics, putain de merde. J'ai pas peur de toi, Alex. Oh, ça c'est de la provoque, ça. Ça c'est de la provoque, ça. Mais... Ah... Les ragdolls one shot. Alors oui, mais j'ai pas envie de me faire shot, en fait. Allez, 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 let's go. Éviter ça. Oui, j'essaie de semer les flics. Et alors, vous avez jamais vu ça? Je peux te mute ici et maintenant. Execute orders. Oh putain, le trou noir. Et bye bye les camions. Ah, je me dis que là, à tous les coups, ce que je vais vouloir récupérer, ça va partir avec le trou noir. Mais pourquoi j'ai une étoile? J'ai fait quoi? C'est pas de ma faute, il y a un trou noir! Mais je suis trop gentil, exactement. Ok. Je sais pas ce qu'on cherche du coup, mais on va le chercher. Hop là, le petit flip, voilà. Tout va bien. Personne ne sait ce qu'on cherche, mais tout va bien. Par contre, du coup, les gars, j'irai pas en vocal après le live, hein, du coup. Forcément, vu que je vais me coucher... Ah, sa mère, la lune! Hop, je vous souhaite bonne nuit à vous. Ben, pas de soucis, écoute Chris, merci d'être passé. Et ben, la bonne nuit, tout ça, tout ça. Et puis, à la prochaine, hein. De toute façon, tu connais les heures, tu connais les passages. Ah, 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 gauche, droite, gauche, droite. Ah, putain, mais je suis encore bourré. Ah, c'est la merde. C'est pas la voiture là-bas? Si, ça doit être la voiture là-bas. Ça doit être la voiture là-bas. Mais de... Il est passé par où? Comment il a fait? Voiture... Eh, hey, c'est la voiture des flics, ça, bah oui, je sais bien.
Monte dans le camion, mais c'est pas que je veux pas, mais je suis bourré. Ah. Non, 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 vas-y, vas-y, tiens bon, tiens bon. Allez, démarre, démarre, démarre. Ah, ah, ouais, 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 c'est ça. Allez, Franklin, tu peux le faire. Allez, la même avec plaisir. Eh ben, écoute, sans problème. Mais oui, mais parce que ça suffisait pas d'être bourré, en plus. Allez, Scooter Brother, c'est ta faute, là. À droite, j'ai dit à droite. Je vois que dalle. C'est la mort. Je vais complètement canner, là. Je sais pas où je suis. Je n'ai aucune idée de là où je suis. Mais quoi? What the fuck? Pourquoi est-ce que j'ai Franklin à côté de Franklin? C'est quoi cette merde? Ah mais parce que c'est lui qui... Bah oui, non mais il y a un moment, faut arrêter les conneries. C'est quand vous voulez le jeu pour... Never Wanted. Le Never Wanted qui pop maintenant. Mais non, mais non! Mais comment ça? Mais reviens, mon ref! Ça fout de la gueule du monde, quand même. Mais oui, mais arrête! Reviens! Franklin, il est parti faire sa vie. Et wesh, plus il trace, hein. La base. La base. Bah oui, mais t'es con aussi. En plus, j'ai vraiment le rapid fire, donc je peux... Oh là là, oh là là, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Viens, enculé. Ah bah oui, il fait repossession, donc, ok. Ah, vu qu'il fait... Non, mais quel enculé. Mais non. On avait tellement avancé. Ah, j'ai envie de canner. Pas le choix. Faut tenter le tout pour le tout. Quel dommage. Quel dommage. Edwin qui se bat contre son clone, mais je te jure. Et le pire, c'est qu'il gagne, en fait. C'est ça, le problème. Clone Wars était si prévisible. Non, mais... J'ai rien à ajouter. Donc, le clone est une version... Oui, bah oui. Mais si t'as vu... Gemini Man, je sais pas si ça te parle, avec Will Smith... En fait, Gemini Man, c'est un film avec Will Smith, Will Smith et Will Smith. Oh mon dieu, il n'y a plus de ciel! Mais le clone est une meilleure version de vous-même, ou est-ce que le clone est meilleur que le clone? Théoriquement, j'ai envie de dire, c'est comme des générations d'IA. Plus t'avances et plus c'est évolué. Bonne réponse, exactement. Et ouais, tu vas faire quoi le flic, hein? Hein? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Et ouais. Et ouais, et ouais, et ouais, vous allez faire quoi là, hein? Hein? Man, fuck, I'm never gonna lose these assholes. Et ouais. Et ouais, ça c'est du pilotage ma gueule. Si si.
Vous avez gagné un pass Navigo. Oh oui! Merci Kevin! Ouais! Ah, je suis bien là. Oh, je suis bien! ...2h58, en vrai, voilà. On finit la mission et on va être tranquille, pépouze. On aura perdu pas mal de temps dans la progression, mais bon, bah. On en aura rattrapé un petit peu, c'est déjà ça. Allez, le jeu, c'est quand tu veux. Bravo, Dimitri! Voilà, c'est ça que je voulais chercher. Ah, mais c'est qu'on a un no chaos depuis tout à l'heure. Oh, mais c'est tellement la joie. Ok, 800 mètres. Le no chaos, tu vas être là juste pour les 800 mètres. Allez. Je crois que je vais me foutre en l'air sinon. Voilà, tiens bon, Michel. Voilà, allez. Ok. Allez, ça va le faire. Allez! 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 Vite, 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 vite. Allez, oui, 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 yes. Oh. Descendez du camion, vite. Adronum, oh, bah, je prends. Stonks. Eh, Stonks. J'ai envie de te dire. Bien ça aussi, c'est bien. C'est plutôt pas mal. Tout pas mal. C'est plutôt pas mal. Oh non, le Hamza Tiger. Oh non, oh c'est la merde. Ah, et ça c'est quand ils s'engueulent les deux là. Ah bah, ils s'engueuleront pas longtemps. Tant pis! Okay. Ah, c'est n'importe quoi. Bah du coup c'est bon, on a fini la quête, donc on va pouvoir se stopper là. Oh là là, oh là, attends, on va juste choper cette bagnole là et on va aller la stocker chez Franklin si on peut. Bah non! Quand même le jeu il en a marre! Eh bah écoute, c'est pas grave! Sauvegarde rapide, allez! Et on est à combien du coup? 25, on a fait 1%. J'ai envie de mourir en fait. C'est tellement de la merde! Eh ben on va refermer le jeu, hein, c'est pas compliqué. Alt F4, voilà. Bon, Alt F4, tout simplement. Ce qu'il y a que ça à faire. Oh, je viens de faire friser mon... Ah, putain de merde. J'ai fait friser la moitié de mon interface. Eh ben écoutez, hein, mes petits loulous, c'était un stream qui était plutôt, ma foi, très sympathique. On vient de passer à 4 spectateurs, il y a la moitié des personnes qui sont décédées en fait, là, d'accord. Je regarde, hein, je regarde. Ouais, je vois Noé, je vois Alex, je vois Gabi Killer, je vois Chanka Killer, je vois Panda Killer. Et pourquoi il y a plus de personnes Killer que de personnes sur le stream? Exactement. Bon, en tout cas, mes petits loulous, pour ce soir, c'est terminé. Hein, on aura chié sa race et forcément, c'est un peu dommage. Je vais nous mettre une petite commande de raid chez je ne sais même pas qui est en live. Je vais regarder ça tout de suite. Sachant qu'on est jeudi, peut-être que Naughty est en live. Ce serait pas mal s'il était en live. Non, il n'est pas en live. Petit Naughty n'est pas ici. Ben, j'ai personne chez qui envoyer. Du coup, je vais tout simplement lancer un raid à la con sur One Portuguese Farm, tiens, pour changer. Slash Red One un peu comme ma bite. Farm, voilà. Et on va se lancer la petite musique d'outro, hein, très simplement. Voilà, un petit NCS, c'est Fearless. Où est-ce qu'il est, Fearless? Il est là.
Voilà. Nickel. Le timing grip. Et oui, malheureusement. Sur ce, mes petits loulous, on se dit la bonne soirée, tout le monde. Portez-vous bien, on se retrouve demain soir pour du Pokémon. On se retrouve samedi soir pour du Rainbow Six Siege. Et tout ça, ce sera évidemment dans le plus grand fun, le plus grand amusement et le plus grand bazar. Du coup, portez-vous bien d'ici là. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Et puis, bah, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Parce que forcément, je suis pas du tout dans le timing pour changer, voilà. D'ici là, en tout cas, ouais, prenez soin de vous, c'est le plus important. Le sourire, dormez bien, hydratez-vous. Et puis, bah, à demain, hein. La bisoute à tous, c'était Phoenix. Ciao.